Alors, on entame avec cette conférence, on entame ce nouveau programme qui va durer 2 ans au rythme d'une conférence tous les 2 mois. Et donc 5 conférences par saison, d'octobre à mai. Et voilà, je l'ai appelé Phare en empruntant le nom de l'appellation de Baudelaire pour désigner des grands maîtres, des maîtres absolus de la peinture, disons, dont l'œuvre n'est plus à discuter. Mais quand au fond, on connaît chacun de ces artistes, Michel-Ange, Tintoret, Delacroix, on connaît quelques œuvres, mais moi, ce que j'ai voulu faire, ce que j'ai tenté de faire, en tout cas, c'est de démontrer le parcours, un parcours, si vous voulez, et en quelque sorte, ce que c'est qu'une activité de création. Il y a une création propre à Van der Weyden. Van der Weyden invente des dispositifs plastiques absolument inouïs, qui, dans ce monde médiéval qui finit dans cette renaissance dont on assiste simplement à l'ouverture, à l'aube, sont absolument inouïs. Et je vais tenter donc à chaque fois de ressaisir, si vous voulez, ce qui me paraît de strictement singulier, personnel, dans ces processus de création, et donc mettre quelques œuvres majeures, mais pointer aussi des œuvres qu'on a un peu oubliées, qui sont parfois des œuvres intéressantes, tenter de ressaisir donc un opus, un peu, on le fait bien pour la musique, on le fait moins pour l'art, tenter de ressaisir l'opus de l'œuvre. Alors c'est un peu difficile pour les maîtres anciens. Actuellement, ce qui est dans les musées mondiaux dans le monde de Van der Weyden, c'est 55, 58, moins de 60 œuvres, dont une dizaine sont de l'atelier. Donc, ça ne fait pas énormément. On sait que c'est un maître qui a eu un atelier très important avec beaucoup de second maîtres. C'est un maître qui confiait des responsabilités à des assistants. Je vais donner quelques noms d'assistants qu'on a un peu oubliés. Donc, il avait, pense-t-on, entre 15 et 20 personnes à son service qui travaillaient avec lui. Il avait double maison. Mais la maison familiale, et c'était la maison des artistes, et il logeait également chez lui à demeure, en continuité, en permanence, en quelque sorte, des sculpteurs. Il travaillait avec des sculpteurs. Il y a toute une œuvre, une partie du travail sculpté de Van der Weyden. Donc on gardera présent cet esprit que c'est un homme de la matière, de la troisième dimension, ce qui explique cette fascination que les modernes ont pour la dimension volumique des œuvres de Van der Weyden. Il est né en 1400, ou peut-être 1398, 1399. Il y a encore une incertitude sur les dates. Il décède en 1464. Donc, vous voyez, c'est une vie bien remplie pour l'époque. Voilà. Alors, son atelier va continuer après sa mort, sa veuve, et les quelques maîtres qui sont là, les compagnons devenus maîtres qui sont là, et les apprentis vont maintenir l'atelier de génération en génération jusqu'en 1516. C'est quand même assez fabuleux. C'est-à-dire que le maître a laissé des cartons et des modèles et des idées pour vraiment une durée effroyable. Et ça va, ces modèles-là de l'atelier de Van der Weyden vont essaimer à travers toute l'Europe, et on retrouve un peu partout. Je vais tenter de pointer en passant ce qui est vraiment une invention plastique de Van der Weyden qui va circuler ensuite dans la peinture. La peinture incarnée, parce que Van der Weyden va. La grande préoccupation de cet artiste, d'abord, c'est un artiste extrêmement croyant, ne l'oublions pas. Il prend l'incarnation comme un fait, non pas comme un fait liturgique ou simplement religieux, le relevant de la croyance ou du croyant, mais comme un fait de société, en quelque sorte un fait social total. Vous voyez, et il considère que la tâche de l'artiste, c'est de reproduire ça. Puisque Dieu s'est incarné, l'artiste doit incarner à son tour. Et donc, c'est un défi formidable, et il va travailler sur la chair, la représentation du corps, du visage, mais surtout les affects. Donc la chair qui souffre, les pleurs, les larmes, les tremblements intérieurs, voilà, c'est en quelque sorte, on est dans le Moyen-Âge, et il ouvre une digue tout à fait phénoménale sur la mise en scène de l'homme en tant qu'être de créature faible et souffrante. Et donc il va travailler très très loin, il va s'aventurer très très loin dans ce continent-là, et il n'est pas suivi. On regarde Eric Books, même Jan Van Eyck, son strict contemporain avec lequel il a travaillé, dont il a partagé, semble-t-il, l'atelier, ne vont pas aussi loin que lui. Ils refusent cette investigation, si vous voulez, dans le monde problématique des larmes et de la souffrance. Et là, Van der Weyden va vraiment s'avancer très très loin, ce qui fait sa grande force, en quelque sorte.
Alors, Maître Roger de Le Patur, c'est son nom d'origine, Roger de la Patur, ou Roger de Le Patur, il est né à Tournai. Il est donc, il est français, enfin, il a de langue française. D'ailleurs, il utilise parfois, quand il écrit sur des retables, on le verra sur le retable diptyque de Braque, qui se trouve au Louvre, on verra qu'il utilise la langue, le français de l'époque, l'ancien français, une forme d'ancien français, bâtiné peut-être de dialecte picard, mais il est d'origine française, enfin, Maestro Ruggero Pittore Nobilissimo, très noble, très important, hein, au sens, non pas de quartier de noblesse, au sens de la valeur, hein, ce grand désir du monde médiéval, de ce qu'était la noblesse, avait vraiment la valeur des valeurs, et un bon peintre, c'est un peintre d'une certaine manière noble, qui est dans ce système des valeurs. Alors, voilà, donc Rogelet de Le Patur, c'est le nom qu'on lui connaît, Rogelet, Rogier, ça met du temps à se stabiliser, ce nom. Il naît à Tournai, son père est coutelier, semble-t-il que l'échoppe marche très bien, ils sont en position de bourgeoisie, ils ont des maisons, ils vivent très bien, ils ont une situation, semble-t-il, plus que confortable, la famille est très considérée dans la ville de Tournai. Il reste à Tournai pourtant de 1432, il va ensuite s'installer en 1435 définitivement à Bruxelles. Semble-t-il, on pense aujourd'hui, parce qu'il y a eu dans cette ville de Tournai une sorte de révolte des manufacturiers, des petits producteurs de richesses, des artisans, et qui ont investi la place, le beffroi, et qui ont demandé des franchises et des libertés très importantes sur le plan communal. Il y a une sorte de crise sociale, si vous voulez. Hein. Le groupe, le collectif qui dirigeait la ville a été abattu, à terre en quelque sorte, et voilà, il y a eu une période très 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 troublée, et il s'en va, il quitte la ville, peut-être que certains de ses commanditaires sont partis, mais en tout cas il s'en va, et il s'installe à Bruxelles, son épouse est de Bruxelles, donc ça va faciliter son entrée dans la ville, et voilà, il restera dans l'atelier de Bruxelles, très vite il est peintre officiel de la ville, ça va très vite, hein. Quand il a tourné, il travaille dans l'atelier de Robert Campin, le maître de Flémal, celui qu'on a longtemps appelé le maître de Flémal, parce qu'on ne savait pas, quand au fond, qui était ce personnage. Je vous montrerai quelques traces du flémalisme dans la peinture. C'est un maître considérable. Il est très tout gamin quand il entre chez Campin. Campin voit très vite que c'est un garçon extrêmement doué, et il fait en sorte qu'il devienne maître à ses côtés. Parce que, voilà, la grande amitié que Campin avait, semble-t-il, pour ses bons... Alors, donc il devient maître très tôt, semble-t-il, avant ses 20 ans. Il est déjà maître, aux côtés de son maître, dans l'atelier de son maître. Et il va partir en lui empruntant un certain nombre de procédés. Et Campin va continuer son chemin. Et ensuite, donc, il deviendra peintre officiel de la ville de Bruxelles. Alors, je vous montre une petite peinture. Je vois que je n'ai pas mis les dimensions, c'est assez petit, c'est donc Roger van der Weyden et son épouse Elisabeth Goffert, elle est alors veuve, ça s'appelle Couple en prière, ça a été fait vers 1470, c'est une huile sur chêne qui a été présentée de ci, de là, dans certaines rétrospectives, notamment la dernière à Bruxelles, la plus importante, de l'œuvre de van der Weyden. Alors, il est décédé quand cette plaquette est faite, il y a des portraits de van der Weyden et c'est son fils Peter van der Weyden, qui va jouer un rôle très important dans l'atelier, hein, sur lequel il s'appuie parfois. C'est lui qui, semble-t-il, à la demande de la veuve, réalise ce double portrait. Donc, c'est assez intéressant. Ils sont représentés en prière. Hein, ils sont en prière. Il a sa tunique, vous voyez, il est habillé en bourgeois. C'est un personnage assez considérable. Il n'a pas une tenue de travail. Assez souvent, ils avaient une toque. Il a la coupe de cheveux bourguignonne. Hein, on se rase là. Vous voyez, c'est la coupe au bol, bourguignonne. Et puis, cette tête tout à fait singulière qu'on va lui retrouver de ci, de là. Et vous verrez qu'il a utilisé son visage pour donner un visage à Saint-Luc. Saint-Luc dessinant la Vierge, tant qu'à faire, il se représente lui-même. C'est très symbolique. On va rentrer dans cette économie-là. Cette espèce de regard absolument étonné,
pas de tristesse, pas de tragique sur lui, une sorte de tranquillité, de foi intérieure, de tranquillité, et un léger sourire, un peu amusé, un peu, voilà, ce personnage, en quelque sorte, ne semble pas partager, en dépit de sa peinture qui est parfois d'une brutalité émotionnelle extrême, il ne semble pas partager la grande frayeur de l'époque. Il garde son compte à soi. C'est semble-t-il, admettre qu'il y a une vision panoramique et tout à fait surplombante de son travail. On notait, les historiens de l'art, vous savez, sont assez vicieux, ils notent tout. On a noté qu'il y avait une grande prière chez l'aveugle, mais peut-être moins chez cet artiste. Enfin bon, ce sont des lubies d'historiens de l'art. Elle porte la coiffe, c'est une coiffe qu'on met, qu'on a juste avec des épingles, donc on ne la retrouve pas dans des peintures. Alors le voilà donc représenté par Cornelis Cort, d'après le portrait précédent de Peter van der Weyden. C'est le portrait donc, de van der Weyden, c'est un burin. Ça a été publié à Anvers vers 1565, au siècle suivant, donc plein d'époque maniériste, dans un lieu qui s'appelle les Quatre Vents. Je vous avais déjà parlé de ce lieu-là, Anvers. C'est une boutique qui diffusait des estampes, qui inondait toute l'Europe avec des estampes, en reproduisant sous forme d'estampes les grands chefs-d'œuvre des grands maîtres. Et voilà, c'était Hieronymus Cock, Jérôme Cock, qui dirigeait ça. Une fois qu'il est décédé, sa veuve a repris la boutique qui marchait du tonnerre de Dieu. Et voilà, donc le grand maître Giraud, vous en insistez, Victoré, le peintre Roger, peintre bruxellois. Très belle allure du personnage, avec sa veste à semi crevée. Et puis, le geste, si vous voulez, qui est très interprétable, le geste de l'offrande, le geste de qui parle, le geste de quelqu'un qui dit quelque chose. Il ne tient pas la pose, sa main est dans un état de conversation, et son visage est en attente, avec cette espèce de bonhomie, cette espèce de chaleur comme ça qui descend sur lui. Et puis, les petits billets, les lettres, ils sont épinglés sur des lanières de cuir contre le mur, c'était intéressant. Et puis là-bas, vous voyez une descente de croix, une pietà, fragment de pietà et de temps de croix. Le graveur a mis ça parce que pour lui, c'est le peintre de la déposition, c'est le peintre de la descente de croix. C'est cet artiste-là qui est validé ici, en quelque sorte. Alors, je vous montre le pays donc, à l'époque, les Pays-Bas méridionaux, 1435-1465, c'est la période essentielle de l'existence de van der Weyden. Donc, il était à Tournai. Et puis il va s'installer à Bruxelles, il se retire vraiment, vous voyez Liège, c'est un pays qui est un peu en confetti, il y a des états, des évêchés qui appartiennent à l'église, et le duché de Bourgogne n'a pas encore réussi à reconstituer, à saisir la totalité du territoire, et donc voilà, quelques chiffres, alors à Tournai il y a 20 à 25 000 habitants à cette époque-là, et à Bruxelles il y en a 40 000, et il y a entre 8 et 12 000 peintres à Bruxelles. Alors, ça paraît assez ahurissant, mais imaginez, ça veut dire ceux qui font les meubles, ceux qui font les bordures de tableaux, ceux qui font des sculptures. Alors, vous voyez que c'est-à-dire, on est dans l'époque médiévale, et depuis l'âge gothique, c'est depuis le XIIIe siècle, c'est un secteur de la société très important dans le monde artistique, qui pèse en valeur, qui joue un rôle social très important. Les artistes célèbres sont dans les collectifs direction des municipalités, ils sont considérés socialement, si vous voulez, autant en Italie que dans les pays du Nord, peut-être davantage d'ailleurs dans les pays du Nord. Alors la frontière est très haute, vous voyez, ici, en pointillé, c'est les frontières actuelles de la Belgique, là, ici, la frontière actuelle de la Belgique, l'île juste avant la frontière, tournée de l'autre côté. Bon, après, évidemment, la frontière va remonter, il va se fixer à la hauteur de l'air. Alors, on va regarder ce fameux portrait de l'artiste en Saint-Luc, donc cette représentation qu'il fait de Saint-Luc, le monde, la vision, le dessin, l'image, et tenté de, avec ces quatre dénominations-là, ces quatre mots, j'ai tenté de condenser en quelque sorte les ambitions de van der Weyden. Saint-Luc dessinant la Vierge, l'exemplaire premier, en quelque sorte, se trouve à Boston, au musée de Boston, 1m38 de hauteur sur 1m11, ça date des années 1435-1438. C'est à l'huile sur bois de chêne. La plupart des œuvres de van der Weyden sont à l'huile sur bois de chêne. C'est une toile qu'il a peut-être commencé à tourner. En tout cas, c'est sa première toile, sa première œuvre en quelque sorte qui marque une toile. La première œuvre qui marque la présence de l'artiste à Bruxelles. Il y a donc, pour cet artiste-là, qui arrive dans cette ville, la nécessité de produire d'emblée quelque chose que personne ne pourra reproduire, un chef-d'œuvre.
et il sera assez accoutumé à cette représentation-là. Alors, on a, ça fait beaucoup penser à Van Eyck, hein, donc à la Vierge au chanoine Van der Pale, hein, avec cette ouverture, la Vierge au chevalier Rollin, pardon, avec cette ouverture sur le lointain, et on voit qu'il y a cette grande proximité de motifs donne, nous a donné à penser, en tout cas, qu'il avait fait un passage dans l'atelier de Van Eyck, qu'il avait peut-être travaillé quelques mois, peut-être plus longtemps dans l'atelier de Van Eyck, avant de s'installer à son compte. C'est une boîte optique. C'est une boîte optique, on a ôté la face qui se trouve vers le spectateur, c'est une stricte convention. Nous ne l'aurions plus comme ça, nous l'aurions presque comme une scène de théâtre où sont positionnés des personnages, une scène sacrée, mais des personnages quand même, en costume. Mais pour l'époque, il y a ici, sur le plan frontal, sur la vitre en quelque sorte, qui ferme ce volume, il y a la convention dit, votre regard traverse ce qu'il n'y a pas à regarder, en quelque sorte, la scène est obturée. Cette scène n'est pas visible. Hein. On a ôté le mur par stricte convention. Voilà, regardez ce qui se passe à l'intérieur. Mais on pourrait éventuellement commettre ce mur. Donc la convention, elle est intégrée par les regardeurs de l'époque. Quant au fond, ils n'ont pas à voir cette scène. Cette scène, elle ne les concerne pas. Ils ne peuvent pas y accéder. Hein. Pas seulement par son éloignement historique, mais simplement par la sidération et par ce rapprochement de personnages. Donc, voilà. Donc on est déjà dans un dispositif où le spectateur, ce qu'il regarde ne va pas de soi. Quant au fond, le dispositif plastique qu'on lui présente n'est pas simplement, ne relève pas d'une expérience commune. On est d'emblée placé dans une expérience de sidération, une expérience assez exceptionnelle. Ça, c'est Van der Weyden. Si vous voulez, vous verrez dans toute l'œuvre de Van der Weyden, la position du spectateur, où se trouve-t-il, que fait-il, comment regarde-t-il, que pense-t-il, que ressent-il, ces questions-là sont absolument résolues par l'œuvre de Van der Weyden. C'est vraiment la première grande œuvre historique dans l'histoire qui saisit le spectateur et qui lui assigne une place et une fonction. Donc là, on est d'emblée placé devant l'inouï, ou l'invisible, ou l'indicible, ce dont on ne peut parler en quelque sorte. Il y a une ouverture de l'autre côté de la boîte, voilà, sur le lointain du monde, avec un fleuve qui s'éloigne, semble-t-il, vers la mer. On a donc cet artiste se donne le sentiment d'un monde profond. Le monde va plus loin qu'on peut le regarder. Et la scène prodigieuse elle-même se trouve dans une sorte d'effet de seuil. Si on veut accéder au monde profond, il faut qu'on traverse cette scène religieuse et qu'on enregistre en quelque sorte les messages ou les dispositifs qui sont produits là. C'est à ce titre-là seulement qu'on pourra gagner l'horizon. Mais en même temps, vous voyez, donc, on voit bien qu'on doit faire un frayage à travers le dispositif religieux, mais on voit bien aussi que le monde, quant au fond, est séparé et que ces deux personnages tournent le dos comme si la Vierge Marie et Saint Luc n'existaient pas pour eux, ou qu'ils ne les voyaient pas, ou ils n'existaient pas. Donc on voit bien que c'est très, très curieux. On a deux espaces qui sont emboîtés, l'espace du spectateur d'abord, le deuxième espace ici de la boîte optique, de la chambre, en quelque sorte, où se rencontrent ces personnages, et le monde, troisième espace dans le monde. Ces deux espaces sont à la fois articulés et disjoints. Le lointain, il est à la fois un lointain humain de nécessité que l'on peut gagner par le biais du religieux, par la prière, hein, c'est bien ça que ça veut dire. Ou bien c'est un lointain de l'indifférence qui se tient à l'écart. Ça vient de Robert, ce processus-là, où les lointains sont dans une sorte d'ambivalence. Quand au fond, on a l'impression dans la nativité de Robert Campin, qui se trouve au musée des Beaux-Arts de Dijon. Absolu chef-d'œuvre. On voit bien que la petite crèche et les personnages qui sont autour de la petite crèche sont là, dans le froid, sur un petit ballon, le bébé qui lui. Et des personnages s'éloignent, vont marcher dans le lointain, comme si, quant au fond, ce message-là n'était pas encore parvenu. Vous voyez, il n'était pas, comme si le fait religieux n'avait pas pénétré le monde, et que le monde continuait à vivre un peu comme avant. Ça, c'est une pensée qui va être très présente dans le langage, qui devait être très présente, je pense, de la conscience à cette époque-là, mais qui est très présente dans le langage de ce qu'on appelle les primitives flammes. Alors, l'enfant, voilà, on trouve un enfant, alors, Van der Weyden. Il jubile, il bouge ses doigts de pied, il fait des mouvements de main, mais vous voyez, ça n'est pas l'enfant des nativités italiennes, où l'enfant, bon, il est tout bébé, il a un mois, mais il bénit déjà, il a déjà... Pas du tout, vous voyez, c'est très... Hop, on a un retour vers cette innocence de l'enfance, en tant qu'innocence de l'enfance. Le processus du sacré tient parce que c'est l'innocence de l'enfance. Vous voyez, il revient à des fondamentaux, c'est très intéressant. C'est une lecture théologique, l'artiste fait une lecture théologique des nécessités à présenter. La Vierge, bon, c'est la Madone au lait, comme on disait, la Vierge allaitante, hein, qui sera un motif extrêmement répandu, et elle a bon, cette espèce
très beau visage, la trêve d'Arbeden, arrondi, qui est, vous voyez, qui n'est pas un visage de représentation, qui est un visage de stéréotype, et qui fonctionne en quelque sorte un peu comme fonctionne le visage de la Vierge dans l'icône byzantine. C'est une formule stéréotypée qui est reproduite à l'identique, qui ne vise pas à représenter le visage de la Vierge, mais à donner l'idée d'eux. Et là, donc, on est censé regarder ce personnage, non pas pour ce qu'il est représenté par le peintre, mais pour ce qui est derrière, pour la vérité qui se trouve derrière. Donc, vous voyez, les niveaux de réalité, d'emblée, c'est la première œuvre de Rousseloise, les niveaux de réalité sont très complexes. Il insère un élément symbolique à un élément absolument réaliste ici, ou naturaliste, et on arrive là, et là, on a un élément de pure symbolique, de codification, en quelque sorte, qui extrait le visage de la Vierge à sa présence naturaliste et qui en fait finalement une icône irreprésentable. C'est ce qu'elle dit, hein, puisque je la représente comme ça, de manière un peu codifiée, un peu schématique, parce qu'elle est, quand toutefois, elle est irreprésentable. Et alors donc, Saint-Luc, lui, est censé la représenter. Et quand on va faire un petit gros plan sur ce qu'il fait, il hésite, il a les yeux perdus dans le vide, il dessine. Alors, il y a plusieurs interprétations à cette... Ce regard de Saint-Luc, la première, la plus immédiate évidemment, c'est qu'il ne la voit pas, il la dessine par le tremblement de l'âme, c'est une vision intérieure en quelque sorte qui se matérialise et qu'il va introduire dans le dessin, vous voyez, c'est deux autres niveaux de réalité. Ou bien, il est dans une position de réflexion, c'est-à-dire que, quant au fond, cette figure-là n'est pas faite pour être observée et représentée. Ce processus simple, j'observe, je représente, ne peut pas fonctionner. Il faut un passage intermédiaire qui est la méditation, retour sur soi. On doit ajuster en quelque sorte ce que l'on voit, la vision, à la réalité de la représentation. C'est-à-dire que Saint-Luc fait ce que Van der Weyden fait, hein, c'est la même chose. Et puis, en haut, il a installé une poutre, très curieusement, avec un entrée au milieu, très curieusement installée, qui s'installe devant l'œil de bœuf, là-bas, le vitrail en œil de bœuf. C'est une référence, pour nous presque invisible, mais pour les contemporains absolument évidente, c'est une référence au monde en tout, selon la lettre d'eau, la lettre de T, c'est-à-dire la façon dont le monde médiéval voyait la totalité du monde, donc avec l'Europe, l'Afrique et l'Asie, donc les trois compartiments, les trois fils de Noé qui vont se répartir, c'est-à-dire la totalité du monde humain est là, la totalité du monde, de la distance, la profondeur, en quelque sorte, de l'étendue, comme aurait dit Descartes, se trouve là, le monde où s'ajuste le visible et l'invisible, la croyance et la vision, se trouve devant nous, et le peintre doit articuler tous ces paramètres-là dans sa peinture. Vous voyez ? Tous les fils sont tirés. C'est un artiste qui a un protocole, une investigation et un intellect tout à fait extraordinaire. Il se présente comme celui qui est capable, bien que ce soit difficile, de représenter la Vierge, et donc d'entrer dans le sacré, tout en projetant le monde et tout en convoquant symboliquement la totalité du monde connu. Donc on est dans un, on pourrait dire un délire orgueilleux, mais en même temps, voilà, c'est le premier tableau qu'il produit à Bruxelles, qui a eu un effet phénoménal, à tel point que les commandes affluent. Alors il y a des copies qui sont faites, voilà, je fais un gros plan. Il dessine à la mine de plomb. Hein. Il y a une partie du visage qui est construite et l'autre partie qui n'est pas encore construite, qui est très floue. Le dessin est très très flou, il est dans une sorte de vibration graphique, mais il n'est pas construit. Et voilà, c'est le portrait de Van der Weyden. Vous voyez, quant au fond, il ne regarde pas le monde, ses yeux sont dans le vide. Hein. Le travail, ce n'est pas un travail de saisie optique, c'est aussi un travail de méditation, et on peut entrer dans une vision intérieure, c'est aussi des éléments que l'on peut installer. Il dessine avec un brochet plume, à pince, et puis une petite mine de plomb qu'on installe au bout. Alors le couple qui est sur le parapet, le vent souffle, il y a des crêtes de vagues qui se déplacent, l'homme montre quelque chose à la femme, il désigne quelque chose, récit. Tiens, regarde là-bas, il y a quelque chose. Hop, là-bas, un attroupement se fait à la sortie des fortifications. Et là-bas, de l'autre côté, deux cavaliers s'éloignent et tentent de rejoindre deux autres qui sont partis au galop. On peut zoomer, hein. J'en parlais avec Yann Lacroix, l'artiste en résidence ici, je ne sais pas s'il est là.
sur les œuvres flamandes, les œuvres de, cette, de ce 15e siècle flamand, vous pouvez vous approcher dans l'infiniment petit existe. C'est-à-dire, Dieu est dans la totalité, il est dans l'infiniment petit. Le plus petit élément du monde est aussi un élément de la grande totalité. Il y a cet emboîtement profond, c'est assez fabuleux. Là, on peut donc regarder, si vous avez quand vous visitez des musées, vous n'oubliez pas une petite longue vue ou des petites jumelles, on peut voir des choses tout à fait prodigieuses. Ouais, le monde est profond. Profond au point que ces éléments-là peuvent demeurer inaperçus. C'est pas grave. Hein. C'est pas grave qu'ils... Il se projette dans Saint-Luc et il désigne en quelque sorte par cette première œuvre, ou l'une de ses premières œuvres, en tout cas Bruxelles, il désigne la complexité temporelle. Et aussi à quel niveau il situe la barre, il pose la barre. De toute manière, les frères Van Eyck, Hubert, très prématurément décédé, et Jan Van Eyck, quand ils ont fait le retable d'anomistique, ils ont bien aussi décidé de placer le niveau de l'art à un certain point. Et, voilà. Suivent et comprennent qui pourra. Hein. Donc on est dans cette rivalité-là. C'est un petit pays. Il ne faut jamais oublier ça. C'est le même fonctionnement qu'à Florence. Mais. C'est-à-dire, sur un périmètre extrêmement délimité, il y a des maîtres, des géants, et qui sont en rivalité. Et donc, ce conflit-là, ces rivalités-là, pour obtenir des marchés, mais aussi pour produire des dispositifs picturaux que personne n'a créé. Donc, ils vont jouer de surenchère. On voit très nettement cette montée en puissance de la surenchère. Alors je vais vous présenter donc une œuvre, d'abord une œuvre tout à fait phénoménale, qui est la descente Discernimiento della Cruz, la descente de croix, qui se trouve au Prado, donc à Madrid. On va parler de l'incarnation, et je reprends le terme de rythme, c'est un terme que Erwin Panofsky, le grand historien de l'art, avait utilisé pour Van der Weyden. Il disait, si on voulait schématiser la comparaison entre Van Eyck et Jan Van Eyck et Van der Weyden, eh bien, Van Eyck est plutôt dans un style austère, rigide et stable. Et par contre, Van der Weyden est dans le mouvement et il est dans le rythme. Il y a toujours sa peinture extrêmement rythmée. Il y a un rythme interne à la peinture. Donc, parfois, on le verra dans la descente de croix, qui nous entraîne l'acte d'image. Alors, j'utiliserai cette formule d'acte d'image. Qu'est-ce que c'est que faire image? Il y a une réflexion menée évidemment par cet artiste. À l'époque de la Révolution moderne, une expérience indicible. Alors, un petit mot peut-être sur la dévotion moderna. La dévotion moderna, la dévotion moderne, donc, c'est surgit dans ces pays du Nord au XIVe siècle et va véritablement se développer de manière importante au XVe siècle, à l'époque donc de Van der Weyden. Il y a un promoteur fondamental, c'est Thomas Akempis, Akempis de Kempen, qui venait d'une ville près de Cologne, et qui est un moine, qui est en rébellion contre l'Église, contre ses richesses, et qui, d'une certaine manière, c'est le cousin de Bernard de Clairvaux, ou le cousin du Povelino de Saint-François d'Assise. Hein, c'est cette filiation qui n'a jamais cessé dans le christianisme de prêtres, de religieux, ou même de simples croyants, souhaitant en revenir à une vie simple, de vérité, de pureté, etc. Et essayer d'avoir un chemin personnel dans cette direction-là. Il est né, donc Thomas Akempis, il est né vers 1379, et il décède en 1451. Il publie surtout l'Imitation de Jésus-Christ, j'imagine que certaines personnes ont entendu parler de ce livre, c'est un très gros livre, en 1427. Ce livre est, dans le monde chrétien, parmi les publications chrétiennes, le deuxième livre le plus vendu après la Bible. Et on trouve plusieurs éditions de poche, donc on trouve notamment une bonne traduction de Lamennais, vous savez, ce chrétien qui a été malmené par le Vatican, mais qui plaidait pour un christianisme social, et qui a fait une traduction tout à fait étonnante de ce livre. Qu'est-ce que c'est? C'est un guide du chrétien. C'est vraiment le christianisme qui descend chez soi et qui s'adresse à un individu. On brise avec cette idée du collectif. Et voilà, ce qu'il faut faire, comment vivre en chrétien au quotidien. Ce livre a une répercussion phénoménale. Et il va introduire dans ce monde du Nord cette dévotion moderna. Les peintres vont quasiment peindre article par article, thème par thème. Il y a un thème notamment qui est le facies in facie, construire la vision du Christ. Il faut apprendre à regarder la mort du Christ en face, comme si c'était notre propre mort qui était en jeu. Donc vous voyez, il y a cette idée de que le tableau doit en quelque sorte avoir un impact extrêmement violent. Tous ces éléments-là sont dans le livre de Thomas Akempis.
Alors, pour ceux qui souhaiteraient réfléchir là-dessus, je vous donne un autre nom qui est assez, assez étonnant. Il s'appelle Gerhard Grote, G-R-2-O-T-E. Il est né en 1340, il décède en 1384, à Rieux, et il fonde les Frères de la Vie Commune. C'est le maître à penser de Thomas à Kempis, et c'est l'un des fondateurs, quant au fond, de ce courant de la dévotion moderne, ces fameux Frères de la Vie Commune. C'est une petite horde de moines en rupture de monastère, un peu on a l'impression de voir les franciscains au début, vous voyez, qui se déplacent et qui vont plaider, faire des sermons dans tous les pays du Nord, et ils vont avoir un impact sur la société. Quant au fond, je pense, parce que c'est une vie personnelle, je pense que quant au fond, déjà, ils vont préparer la réforme. Ils vont préparer la réforme avec cette idée d'austérité, on se retire des richesses, la pureté, vérité, enfin, qu'est-ce que l'identité du croyant, etc. Et toutes ces questions-là sont posées par ce groupe de gros, comme s'il s'agit de cité bourgeoise, cité-état, bon, ville-état bourgeoise, on laisse ces barbares, là, ces personnages qui sont parfois rejetés des villes, on les laisse circuler, bon, ils vont avoir une attention. Et voilà, la dévotion moderne née de ça, née de ces expériences en quelque sorte. Alors on va regarder un petit peu cette descente de croix. La plus belle œuvre du monde entier, mejor pieza en todo el mundo, c'est Vicente Álvarez, c'est pas n'importe qui, donc c'est l'envoyé de Philippe II en 1551 qui découvre, qui affirme cette chose. Alors qu'est-ce que... Là voilà, donc je vais vous donner ces dimensions. Donc, les Miento de la Cruz, vers 1432-1435, regardez les dates. Regardez les dates, 1432, il est encore à tourner, 1435, il s'installe, je sais. C'est quand même incroyable, il déménage, et puis il fait cette chose-là, ce truc qui est... Bon, alors, il c'est une commande, ça mesure 2,20 m, un peu plus de 2,20 m sur 2,59 m, ça se trouve au Prado, à Madrid. C'est une commande d'une guilde, la guilde des arbalétriers, de Notre-Dame, hors les murs, à Louvain. Alors, aujourd'hui encore, les historiens d'art se disent, mais comment une guilde d'arbalétriers a-t-elle pu payer et une œuvre aussi magnifique, et surtout commander une œuvre aussi magnifique, une œuvre où on se demande, on imagine qu'il y a eu un programme iconographique construit avec des théologiens, ou un théologien, que quelqu'un s'est penché là-dessus. C'est pas sûr, si vous voulez, c'est ça, on n'est pas en Italie. Et quant au fond, il est possible qu'il ait eu la main, totalement, sur le programme iconographique, en tout cas sur cette construction-là. Alors, cette œuvre est là, donc sur le maître-autel de cette église, qui est grande comme une chapelle, d'ailleurs, qui n'existe plus, qui se trouvait en dehors de la ville de Louvain. La petite Marie de Hongrie, en 1548, entre dans la chapelle, voit l'œuvre, et n'en revient pas, et elle veut l'acheter, mais la guilde ne veut pas la vendre. On lui dit non, elle n'est pas à vendre. Alors elle dit, je vous donne une quantité d'argent phénoménale, ils n'en veulent pas. Alors elle dit, j'ajoute à ça une excellente copie, une très très bonne copie. Alors il vacille un peu, mais ils n'en veulent pas. Alors elle dit, je vous paye une orgue magnifique, neuve. Donc voilà, il consente, elle emporte cette œuvre et elle l'installe dans son château de Binche, dans une sorte de crypte. On est dans un récit, oui, on pourrait faire un téléfilm là-dessus, hein. Dans une sorte de crypte en jaspe, où elle a installé un hôtel en marbre, et il n'y a rien que du marbre, et cette chose est là. Et c'est là que Vicente Álvarez, le pauvre envoyé du roi Philippe II d'Espagne, arrive un jour et descend dans la crypte parce qu'on veut lui montrer quelque chose, et c'est là qu'il est complètement étonné. Donc voilà, la plus belle œuvre, la mejor pieza en todo el mundo. Il écrit tout de suite, il envoie un message... pour présenter cette pièce. Alors cette séquence-là, si vous voulez, comporte des épisodes très différents. Il y a la crucifixion, c'est un espace liturgique, et c'est une image. Ensuite, il y a la descente de croix, c'est autre chose, c'est un autre type d'image, et ça ouvre d'autres aperçus, et ça s'installe différemment dans la liturgie. Ensuite, il y a, lorsque le corps est descendu, sa réception, en quelque sorte, la Pietà, connue sous le nom de Pietà, qui va avoir... Et ensuite, il y a la mise au tombeau. Donc il y a quatre épisodes très différents qui vont scander, comme ça, se articuler, en quelque sorte, c'est différent. Là, on est dans la descente de croix, le corps n'a pas retouché encore terre, vous voyez, c'est absolument symbolique, et tous les personnages sont positionnés. Alors, ils sont... quand on entre au Prado, la porte est en face de l'objet,
le fond est travaillé au... C'est un tête caisse en trompe-l'œil, les personnages sont quasi à l'échelle 1, et il y a une présence tellement volumique des corps, tellement matérielle des corps, qu'on a l'impression qu'ils sont là. Il y a des personnages costumés qui jouent, qui entrent. Alors, si vous allez au Prado, restez près de la porte et observez la façon dont les gens réagissent. Les gens entrent, et dès qu'ils voient ça, ils sont étonnés. Ça, on a l'impression d'une mise en scène, en quelque sorte, d'hologramme. Hein, il y a une matérialité tout à fait faite. Bon, et à ça s'ajoute qu'on a du mal à faire la mise au point sur le graphisme et sur les couleurs parce que le fond d'or rayonne. Hein. Donc on a, vous voyez, quelque chose très Van der Weyden. Hein. À la fois, on vous éblouit et on vous donne en même temps, si vous passez l'éblouissement, si vous marchez contre cet éblouissement, si vous le franchissez, vous voyez, on est dans la théologie de l'icône, si vous franchissez cet éblouissement, vous allez vers la découverte de ce qui est à découvrir. Donc, Joseph d'Arimathie qui soutient Jésus, Nicodème en pleurs, on va faire des gros plans après, qui tient ses pieds, un porteur de flacon, Marie-Madeleine dans une attitude, alors là, Van der Weyden, l'invention des formes. Van der Weyden n'invente pas des formes au corps pour créer des manières ou des effets de style, il cherche la posture de la douleur, il cherche la posture de cet état intérieur, de la transe, du vertige, voilà, et là, en l'occurrence, de la douleur, cette espèce de torsion de masse, positionnement du corps, il y a des pastiches qui vont se répandre dans toute l'Europe, c'est vraiment, il y a un prototype. D'ailleurs, Nicodème, regardez, en arrivant ici en 2012, je suis allé à l'église voir un petit peu s'il y avait des œuvres d'art, là, à l'église de Sérillé, et il y a une mise au tombeau. Ah, formidable, alors on plâtre, tout ça, avec le donateur, dans un coin, très intéressant, parce que tous les plis, tout ça, c'est très esthétique italienne, très italienne. Par contre, tous les visages ont le naturalisme flamand. Et qu'est-ce que je vois? Joseph d'Arimathie a cette tête-là, et Nicodème a cette tête-là. C'est quand même incroyable. Ça date du début du XVIIe. On voit qu'il a créé des types. Il a inventé quasi des photographies, entre guillemets. Il a identifié, si vous voulez, ces personnages. Il leur a donné un visage et qui a été suffisamment jugé crédible pour traverser le temps. Alors, Joseph d'Arimathie est toujours comme ça, concentré, recueilli. C'est le disciple secret, vous savez, d'après la Bible, c'est le disciple secret qui le propose, en quelque sorte, qui va s'arranger pour récupérer le corps, que la famille récupère le corps, et mettre à disposition un tombeau. Il est concentré, il n'y a pas de larmes chez lui, c'est un personnage âgé. Nicodème, qui dans son superbe manteau, on va zoomer un peu sur les détails, vous verrez, superbe manteau qui lui est en larmes, une grande confusion intérieure, et son geste, ici le geste est précis, et d'ailleurs il y a une lourdeur de poids, et regardez, il a calé sa jambe pour pouvoir le tenir, et par contre celui-ci, le poids est moins élevé, mais le geste est plus mou, parce qu'il est en pleurs, il est embarrassé par son émotion, tout est là, tout est construit, tout est vraiment installé. Et puis, bon, Marie Cléophas, la Vierge, évidemment, qui tombe dans une sorte de courbe qui s'installe dans la courbe du Christ. Hein. Il y a vraiment ces deux courbes, s'interpénètrent, sont en rayonnement. Jean, penché vers elle, avec un visage rougi, également des larmes. Marie Salomé et Marie Cléophas, là-bas derrière, qui est la pleureuse. Alors, on a l'impression de personnages d'une tridimensionnalité conquérante qui s'installe devant nous, avec un fond d'or. Quelque chose qui évoque le fond d'or, donc l'icône, qui renvoie à la théologie de l'icône, mais qui joue le contraire, une sorte d'hyper-réalisme, presque de réalisme, en tout cas absolument obsédant. Mais ça n'est pas suffisant, donc il va créer des lancettes. Alors c'est pas, vous voyez qu'on a l'impression ici d'une décoration, gothique, et il ajoute l'arbalète. Des arbalétriers de Louvain, il le dessine comme un petit objet qui est accroché à cette lancette. C'est pas, hein, ça n'est pas du tout un motif sculpté. On pourrait imaginer un motif sculpté dans ce caisson. C'est assez crédible, cette idée du motif sculpté sur le dessin. Alors, comment ça fonctionne? Le cœur est là, il n'est pas au centre géométrique, mais il est dans un alignement de la croix, le cœur est là, et on voit que toutes les figures sont positionnées à partir de ça, comme des rayonnements, comme des battements, ou de par-delà la mort, en quelque sorte, il y a quelque chose, un rythme qui continue à se produire avec les deux parenthèses de Marie-Madeleine et de Jean qui ferment, et puis des scansions intérieures qui viennent comme ça progressivement replier. On a quelque chose qui se développe à partir du Christ, avec Nicodème, Marie-Salomé, ensuite Jean et
Marie-Madeleine, voilà, on a cette espèce de battement qui continue, comme si, par-delà la mort, ce cœur continue à battre, comme si le rythme était lié encore à une existence qui passait. Vous voyez, on annonce, on se projette dans la perspective de la phase de rédemption. Et alors, ensuite, on cherche, quand on s'approche, on cherche à placer ces personnages dans l'espace. Et on s'aperçoit qu'il y a un espace très étroit, cette caisse n'est pas profonde, et qu'il y a une compression des corps tout à fait extraordinaire. Là, on est aussi dans le langage propre de Van der Weyden, on en verra d'autres exemples. On a un premier plan, par exemple, avec Jean et Marie. Ensuite, sur un deuxième plan, on a le Christ, on a Marie-Salomé, Marie-Madeleine, et puis Marie-Cléophas. Sur un troisième plan, derrière le Christ, on a Nicodème, et puis Joseph d'Arimathée. Sur un notre plan, cinquième plan, on a la croix. Sur un sixième plan, on a l'assistant qui est sur la croix. Vous voyez, on est dans une impossibilité. Cette compression de corps est absolument impossible, cet espace étroit. Donc, on a cette sensation de compression absolue. On suit cette compression et quand on lève les yeux, qu'on arrive en haut, l'assistant a un clou dans la main et le clou vient sur le bois. Parce que cette baguette qui est là, la première baguette, est un trompe-l'œil. La première baguette, et la moulure est faite dans l'atelier de Van der Weyden, mais la première baguette peinte de la même couleur, c'est un trompe-l'œil. Et donc, quand on arrive en haut, d'un coup, si le clou est sur le cadre, et bien, comme un jeu de domino, toute la profondeur s'effondre et on revient sur le plan. Vous voyez, on a du plan à la profondeur, et de la profondeur d'un coup au plan, et sur le côté, cette espèce de battement, comme ça, le tableau a un double rythme dans le sens de la profondeur et dans le sens longitudinal qui lui donne une force de sidération tout à fait étonnante. Alors, je vous l'explique, ça prend du temps à expliquer, mais vous n'avez pas besoin d'explication. Quand vous êtes au Prado, devant l'œuvre, vraiment, ça se passe ipso facto, si vous voulez. Vous ressentez vraiment, c'est un clash, quoi. Il y a quelque chose de... Vous sentez un point limite, vous sentez qu'on a atteint un point limite. Donc, on est dans les années 1430, comment vous voyez, c'est assez phénoménal. On a passé un seuil, si vous voulez. On a comprimé le message christique, le message religieux, la densité, cette ferveur de la mort et de la possibilité de la rédemption dans un jeu tridimensionnel de construction du volume et d'effacement du volume, d'installation en quelque sorte de la profondeur et d'anéantissement de cette profondeur. Vous voyez, dans un jeu de soufflé dans un sens et dans un jeu de battement pour l'autre sens. Tout le tableau est construit avec une maîtrise absolument prodigieuse. Alors on va. Alors c'est le squelette d'Adam, hein, puisque selon la tradition, Jésus est dans cette. Sur le Golgotha, c'était le lieu où Adam était mort et il y avait son squelette. Alors, on va avancer un peu dans cette économie picturale. La tête du Christ, tous les détails sont extrêmement soignés. J'ai fait une petite visite il n'y a pas longtemps à Amon, à l'habitation de Paula, pour présenter les peintures et les sculptures de cette petite église gothique un peu oubliée de village. Il y a des trésors tout à fait étonnants dans ces églises. Et là, il y a une Pietà en pierre, fin d'époque médiévale. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est le visage de Van der Weyden. Le Christ a le visage de Van der Weyden. Donc l'artiste est informé, il sait. Il a emprunté ça à un modèle précis, vous voyez, qui semblait avoir une forme de crédibilité. Alors ça, c'est le torse, la blessure, dont un Toubib avait dit qu'elle était chirurgicalement vraie. Hein, donc, on a confié, c'est Dirk de Vos qui a confié à un médecin des images qui étaient grossies de toutes les blessures du Christ qu'il a récupérées dans toutes les peintures de Van der Weyden. Et ce chirurgien a dit, mais elles sont toutes chirurgicalement vraies. Cet artiste a déjà observé des lacérations de corps et ça ne se sont pas des strictes inventions formelles. On a les tissus, je ne vais pas entrer dans ces considérations. Marie, l'effondrement de Marie, la blancheur, la main qui tombe. Alors vous voyez, c'est formidable, les axes directionnels qui s'installent, et puis là, le crâne, la main, le pied, on est dans un rythme tout à fait. Le visage, elle est blanche, totalement blanchie, les larmes coulent, alors les larmes sont faites avec le glacis. Il termine le tableau en posant, le maître évidemment, en posant des gouttes de glacis de peinture. Et pour faire les larmes, on a cet effet de transparence. Quand au fond, quand on s'approche, la larme est colorée par le lieu où elle se trouve. Si la boue est rubiconde, c'est le cas de Nicodème, elle va devenir légèrement rosée, rubiconde, et là, elle est blanchâtre. Alors, la main de Jean, les doigts sales, plein de crasse. Vous voyez, tout est là.
Il n'y a pas de, correction. Si vous voulez. Il y a une volonté d'aller au fait. On n'imagine pas pourquoi ce personnage aurait... Voilà. Et donc, sans doute, le jeune frère de Jésus, semble-t-il. Hein, Jean était sans doute jeune frère de Jésus. Voilà, il a les mains sales. Ce n'est pas une préoccupation de l'époque. Alors, la main de Marie sur le fond bleu, traitement de la main. Panofsky a étudié rapproché les mains de von der Weyden de celles de Van Eyck et de celles de Botticelli ou d'autres. Et il dit qu'il est le seul à produire des objets organiques. Et il n'y a pas de coupure sur la main. Il n'y a pas et tout est relié dans une seule organisation spatiale. C'est le signe, si vous voulez, du travail sur le corps de von der Weyden. Alors, ici. Voilà, Marie Cléophas, là, qui est tout à fait à gauche, dans du tableau, donc c'est l'arme. Les yeux sont rougis, le nez, voilà. Il y a un travail de prospection, si vous voulez. Mais vous voyez, on n'est pas du tout non plus dans une espèce de stricte séduction. Il ne joue pas avec les larmes, si vous voulez. C'est ça qui est très fort. Hein. Il y a vraiment une pudeur, une retenue, mais les affects sont là. Et bon, pas la première fois, le corps dit sa propre vérité. Alors, la petite coiffure arrière, là. Marie-Salomé, avec des larmes dans les yeux, les larmes bleues dans les yeux. Nicodème, donc à droite, là, voilà les larmes de Nicodème. La grimace du personnage. Marie-Madeleine. Très beau geste, hein, gestualité exceptionnelle, travail de réduction des formes. Alors là, c'est le vêtement de Marie-Madeleine, Jésus Marie, Jésus-Marie, qui porte sur sa broche. Une robe bourguignonne, hein, on est dans des vêtements bourguignons, hein, c'est le tombé de la robe, les fleurs, chardon, piquine de chardon, et des petites. Tout le langage de la simplicité, on est dans la dévotion moderne, tout ce qui est choisi, là, le chardon, les fleurs, les simples fleurs des champs, c'est le langage de la dévotion moderne. Joseph d'Arimathie, avec le rebord de fourrure de son vêtement, les incrustations de rubis, de saphir, la pierre froide, la pierre chrétienne par excellence. Et tout est travaillé, il y a un travail du détail, et ça c'est Nicodème, c'est la chaussure de Nicodème. Bon, le fond, vous voyez, il est à la fois la feuille d'or. Quand on le voit de loin, on entre dans le musée, on voit un rayonnement aurifère, on voit une icône. En réalité, quand on s'approche, il est martelé. Mais vous savez que dans l'icône, surtout quand elle s'est transportée par sienne, notamment en Occident, il n'y a pas simplement des dépôts de feuilles d'or. Lorsque la feuille a été déposée, parfois plusieurs couches, ça va être travaillé à la roulette. Il va y avoir des incrustations, des petits mouvements, voilà, on donne une dimension matérielle en quelque sorte. Hein. C'est pas simplement la lueur, c'est pas la plat de la lueur aurifère, c'est aussi un rythme matériel. Eh bien, il le reproduit, il donne cette illusion-là, mais par le pinceau. C'est-à-dire que, ça veut dire ça, la théologie de l'icône, il la prend, il l'installe, il la brise. La peinture, en quelque sorte, prend cet élément-là et le transporte à un degré supérieur. Vous voyez, la revendication de son propre travail, la conception que von der Weyden a de son propre travail, est une conception absolument phénoménale. Il sait où il va, et il sait d'où vient cette peinture, il signe, il désigne les lieux, les circuits de filiation dont il se réclame, mais qu'il surmonte. Hein. Alors voilà, ici, est-ce que j'ai un gros plan sur le clou? Voilà, le clou passe sur évidemment, toute cette partie que vous voyez, tous ces éléments de bois que vous voyez, c'est un trompe-l'œil. Et donc, le clou revient sur le premier plan, alors qu'on est à l'arrière-plan, au dernier espace où se loger un corps, dans la profondeur de cette boîte optique, eh bien, cette profondeur est annulée et on revient sur le plan. Et, en quelque sorte, c'est comme s'il, après avoir créé l'illusion, il la détruisait devant nous pour nous désillusionner, en quelque sorte, et de nous réintroduire devant une simple image. C'est très, 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 très fort et très, très articulé. Un auticulus qui est là-haut. Alors, je vous montre un dessin à la plume qui se trouve au Louvre, département des arts graphiques. Sur mon document, j'ai mis les numéros d'inventaire, comme ça, si vous les retrouvez éventuellement. Un portement au tombeau,
C'est un, identifié comme étant un collaborateur de Van der Weyden qui aurait fait ça. Il y a quelques maladresses dans le travail d'épicé, c'est un peu cassé ici, vous voyez. Il y a, bon. Mais bon, c'est la preuve que Van der Weyden laissait ses collaborateurs s'exprimer assez abondamment. Il y a des choses qui sont un peu excessivement jouées, vous voyez, très italien. L'ange est dans un état giottesque, les anges effarés, les anges atterrés, c'est de Giotto. Bon, ça n'existe pas dans le langage de Van der Weyden, vous voyez. Ils n'ont pas, une surhumanité des anges. Non, s'ils pleurent comme des êtres humains. S'ils sont tristes, donnons-leur la tristesse d'êtres humains. Vous voyez, tout descend sur le plan de l'immanence, et c'est là, en quelque sorte, que doit se vivre la croyance. C'est ça le message de Van der Weyden. De ce point de vue-là, il est dans la dévotion moderne, si vous voulez. Il n'y a pas de surnaturalité, en quelque sorte. Le lieu où on vit sa foi, c'est le lieu dans lequel on vit. C'est le monde commun. C'est le Lebensweit, comme diraient les Allemands. Je vous montre un groupe sculpté, simplement pour vous montrer qu'il y a eu évidemment beaucoup de choses qui ont été faites dans le sillage de Van der Weyden. C'est un atelier bruxellois qui a fait cette sculpture, portement au tombeau. On a imaginé qu'il était Jean de Lemaire, ou bien le maître clé, ou bien Guillaume Force, F-O-R-S, des grands maîtres de l'époque, sur lesquels on ne sait pas grand-chose, bon, mais qui sont... Et vous voyez, c'est un travail de sculpture du bois assez prodigieux. Ça se trouve à Détroit. Vers 1460, ça se trouve à Détroit. Alors, vers 1460, c'est important, ça veut dire que 30 ans après cette œuvre, qui est toujours à Binche, qui est toujours dans la chapelle des Arts Belles-Lettriers, c'est-à-dire que tous les artistes comme en Italie, ils allaient à San Marco, ils allaient dans les grands lieux des maîtres à des peintres pour s'imprégner, pour prendre des modèles. Tout le monde venait aller prier pour voir cette œuvre-là, tant qu'elle était sur l'autel de la chapelle des Arts Belles-Lettriers, vous voyez. Et bien, 30 ans après, on continue encore à s'en inspirer, à tenter de faire le mouvement, le travail du mouvement, alors que l'époque a changé en quelque sorte. Ah oui, c'est une copie, c'est la copie de Berlin, fin 15e siècle, elle est la Guggenheim de galerie. Bon, c'est mal scanné, donc il y a des rayures derrière le jaune, mais elle semble bluffante, ces copies, tel point qu'on voit qu'il y avait des cartons très certainement réalisés, qu'il y a eu à partir de ces cartons. Si c'est fin 15e siècle, ça veut dire qu'on ne peut pas imaginer que l'atelier de Van der Weyden, après la mort du maître, puisqu'il reste en place jusqu'en 1516, on ne peut pas imaginer qu'il n'ait pas connaissance de ça. Donc peut-être a-t-il prêté un carton ou prêté un dessin, on voit une reconstruction. Et évidemment, on a des problèmes, on voit qu'on n'est pas chez eux dans le langage de Van der Weyden. On est dans une forme de copie d'interprétation qui se veut très certainement fidèle, mais qui... Alors, je vais profiter de cette question de rythme de l'incarnation. Alors, vous voyez cette relation au corps, quand au fond, elle ne va pas de soi. Il est... le monde médiéval, c'est un monde de la codification et le corps dans la société se maintient. On tient son corps. Regardez, lisez les romans, Perceval, le Galois, etc. Il va dans les forêts pour pleurer. On ne montre rien. Hein. Il y a des façons de se tenir, il y a des postures sociales, il y a vraiment... Le corps est contrôlé. Il y a un contrôle du corps. Et lui, évidemment... Profitant de ces faits, de ce récit de la passion notamment, il brise ça, il brise ses convenances, Van der Weyden. Il montre que les affects, et donc le corps qui s'abandonne en quelque sorte, qui est dans une phase spasmodique, eh bien, c'est aussi de l'être humain. L'être humain, dans ce désordre-là, il est aussi humain. Vous voyez, c'est ça là, le grand message. Alors, on va aborder deux questions, c'est un peu théorique, mais je vais vous les montrer en images, ça peut me faire espace et nuit et espace et nuit. C'est Faustillon qui avait inventé ça, et c'est un historien de l'art belge qui s'appelle Philippot, magnifique auteur, qui a repris ce dossier pour tenter de le rendre visible à partir de la peinture flamande. Alors, je vous montre deux œuvres seulement pour illustrer cette chose-là. Ça, c'est la Madone d'Uran, la Vierge de l'Enfant en rouge. Elle se trouve au Prado, à Madrid. 99 cm sur 50 cm. C'est une huile sur bois de chêne. Qu'est-ce que c'est? Elle est dans une niche. Pourquoi est-elle dans une niche? Parce que c'est une statue. C'est une statue dans une niche. Comme dans une église. Or, elle excède la cavité de sa niche, cette statue. Et on a, si vous voulez, l'espace limite, c'est, si on imagine que la peinture, c'est une scène et qu'il y a une vitre devant le tableau, l'espace limite, c'est tout ce qui s'arrête à cette vitre. Tout ce qui bute contre cette vitre, c'est l'espace limite. Et l'espace milieu, c'est l'espace où est le spectateur. Eh bien, les Flamands, Van der Weyden, Robert Campin, déjà un peu avant, et puis un peu Van Eyck, surtout Van der Weyden, le but c'est on brise la vitre.
quelque chose de l'objet peint dans la profondeur, se déploie et entre dans le monde du spectateur. Excède visuellement, donne l'impression d'excéder le monde du spectateur. Ici, le déplacement de la robe et tout le déplacement, elle se déporte en quelque sorte en avant et elle vient vers nous. Je vais montrer une autre. Alors là, d'abord, on a beaucoup épilogué. Pourquoi l'enfant s'en prend-il si violemment au livre qu'il froisse? Eh bien, l'enfant fait exactement ce que Van der Weyden fait. Il froisse. Froisser, c'est que le papier cesse d'être plan et de s'installer dans l'étendue, au sens de cartésien, et il entre, en quelque sorte, il devient comme un objet inconcret, comme une sorte d'élément informe. Il pousse pour entrer dans le monde des spectateurs. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit en premier. Hein. Voilà, quand vous le voyez, c'est ce qu'on voit en premier. Très bel enfant, d'ailleurs. Regardez son... Regardez ça, c'est... Père de famille, hein. Donc il y a des choses tout à fait bien, bien précises. Il y aura des régressions, mais bon, on sent qu'il y a une observation tout à fait... Bon, la main, magnifique de justesse. Alors voilà, regardez, vous voyez, voilà, ça sort de la niche, elle sort de la niche. Elle monte vers nous, elle n'est pas bien installée au fond de sa niche, cette statue, mais elle vient vers nous. Pourquoi? Parce qu'elle est... C'est une image vivante. Hein, c'est une image vivante. Au moment où vous la regardez, elle quitte sa position de stricte statue, elle entre en communication avec vous en se matérialisant, et vous ne pouvez que la recevoir et donc prier. Le spectateur est en communication avec l'œuvre, et la statue cesse d'être statue, et cesse d'être œuvre, et devient une réalité qui entre dans la vision du spectateur. C'est ça, on brise la vitre. Hein. C'est cette espèce de passage que l'artiste construit. Alors je vais vous montrer un autre exemple, parce que c'est très beau, l'ange il flotte dans le vide. Dans le noir, comme ça, dans cette obscurité opaque, et il va couronner Regina Coeli, c'est la reine du ciel. Il va la couronner, et puis le visage de la Vierge de Van der Weyden, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas ni dans le réalisme, c'est pas quelqu'un qui a posé, ni complètement dans l'icône, c'est pas le stéréotype absolu, c'est quelque chose d'intermédiaire. On est dans une transition. Cette figure quitte la logique de l'icône et vient vers nous pour s'installer dans le monde réel, mais elle garde le visage. Presque, vous voyez, puis cette courbure des yeux tout à fait étonnante qui signale en quelque sorte sa non-appartenance complète au monde humain. Allez, c'est une figure qui n'est pas quant au fond représentée. Alors, je vous montre cette chose-là que vous avez déjà vue, c'est l'Annonciation, œuvre signée Van der Weyden et Atelier, ça date des années 1440. C'est une huile sur bois, 86 cm sur 93. Ça provient d'une église près de Turin, San Domenico de Chieri, donc l'église Saint-Dominique à Chieri. En réalité, le musée du Louvre ne le dit pas, mais ce sont les armées napoléoniennes qui ont pillé l'église. C'est un triptyque, les trois parties, ils ont pris le panneau central et allez les gars, on ramène ça au Louvre. Bon, c'était Denon qui contrôlait tout ça et qui pillait les églises. Donc, vous savez, il était surnommé le déménageur. c'est dire qu'on y allait, ça ne gênait pas. Alors bon. Les Italiens ont laissé tomber maintenant, bon, c'était avant le Risorgimento, tout ça, bon, on laisse tomber, c'était avant lui. Alors, ça se trouve au Louvre, donc, vers 1440, vous voyez, ça arrive. C'est absolument exceptionnel, c'est très flémalien, ça emprunte à Fléma. On fait une boîte, c'est une perspective. Bon, on place des objets, mais la perspective, regardez le cadrage, la perspective, on va monter la ligne d'horizon. Vous savez que si vous mettez la ligne d'horizon basse, les personnages posent. Et si ils sont devant vous, c'est stable. Et si c'est stable, plus c'est stable, plus vous pouvez entrer dans le tableau. Si la ligne d'horizon monte, la perspective se redresse. Et tout glisse et tombe vers vous. Donc là, il se redresse, mais pas trop, mais quand même. Mais quand même, on voit l'inclinaison du banc ici, qui fait que on voit la scène frontalement. Regardez, elle est bien positionnée frontalement. L'ange aussi, mais ils sont quant au fond sur un plan oblique, sur un plan incliné. On a les deux. On n'a ni la frontalité, ni véritablement la profondeur. On a la tension, le mouvement contradictoire entre les deux éléments. C'est la griffe de Van der Weyden. Regardez le prodigieux mouvement, la main droite avec le petit doigt qui se déplace. Donc, il y a un geste de la main droite qui s'est fait, d'ouverture de la main qui se referme, et puis un autre geste qui reprend de la main gauche. Donc l'ange parle. C'est pas la salutation angélique, c'est le colloque angélique. Hein. Discussion, colloque, il discute. La Vierge se retire, voilà, elle est en retrait, elle écoute. On voit bien que c'est bien un message,
l'annonciation n'est pas une image, c'est un message. Hein, et quant au fond, rien n'est visible. C'est dans la vision du cœur, c'est une vision de la foi qui matérialise et qui matérialise l'ange. Mais quant au fond, l'ange n'est pas là. Le spectateur doit être sûr de ça, qu'il n'y a pas de présence de cet ange. On ne sait pas trop si sur ses pointes de pied, il y a quelque chose. Il semble être dans l'instabilité, mais c'est un être mouvant. Et d'ailleurs, les ailes sont encore déployées, donc il vient d'arriver, il a parlé, il parle encore, et il se pose, et voilà. Il y a un mouvement qui s'achève là. Il installe, les ailes ne sont pas encore redescendues. Botticelli fera assez souvent des anges comme ça, une association de Castello, par exemple, l'ange n'a pas encore replié ses ailes, et déjà il est pressé. Hein. Il a du boulot, il fait son. Vous voyez à nouveau le visage, vous voyez, très gênant, très beau et très gênant. Hein, très beau et d'une espèce de. Il est dans son code, il dit quelque chose au spectateur. Le lit, évidemment, c'est le lieu marial, hein, c'est ça, c'est à l'amour, c'est le lieu conjugal, c'est le pacte conjugal qui est en vue, là. C'est vraiment lié au mariage et cette annonciation, c'est le fait d'enfanter. Vous voyez que l'installation de la chambre de la Vierge et non pas sur la loggia de la Vierge ou sur le locus Maria qui est dehors, près du jardin, ça c'est des Italiens. Les Flamands, notamment Van der Weyden, là font entrer dans la chambre, c'est plus crédible, bon, c'est des gens flamands certes, plus crédible, mais du coup l'installent dans le cadre du foyer et du couple, qui est le message quand même, qui est pas dans la Bible, hein, qui est un autre message. Or tous les objets ont évidemment l'aiguillère, les bougies qui sont éteintes, c'est le signe de virginité, la cheminée qui est fermée, le jardin clos, voilà, tu es ma sœur, mon jardin clos, ma fontaine scellée, donc c'est l'image de la virginité de Marie, hein, donc le lieu marial, c'est le lieu de la virginité, donc doublement, hein, par la fermeture, par la clôture de la cheminée, et par le meuble qu'on a posé contre, et l'ouverture. Allez voir ça en Louvre parce que c'est quand même. Oui, c'est quand même assez. Voilà, alors, cette espèce de courbure des êtres angéliques, des êtres qui viennent du monde de la croyance, si vous voulez, ils se matérialisent dans la peinture de Van der Weyden. Van der Weyden leur donne un air comme ça, extrême douceur, simplicité, douceur. Mais c'est à la fois un jeu formel, une invention formelle, pour les identifier sans les faire tout à fait humains. Mais c'est aussi la dévotion moderne, ça répond aux critères de la dévotion moderne, de Thomas Aquinas, hein. Simplicité, modération, vérité, voilà. On est dans ça. Et puis, le paysage profond, là-bas des montagnes enneigées, où est-on? Et puis, une grande rivière qui s'éloigne. C'est ça, vraiment. Alors oui, alors... Donc, que se passe-t-il en bas? Eh bien, là, on est au bord du tableau, Art Edge, hein, c'est coupé là, presque, et le manteau de la Vierge roule tellement, il gonfle tellement, il est en ébullition, il est presque entre le plan antérieur du tableau et il brise la vitre. On passe de l'espace limite à l'espace milieu. On entre dans le milieu du spectateur. L'espace milieu du spectateur est contaminé par l'œuvre. Elle se répand vers nous. Elle se déverse vers nous. Elle entre dans notre espace et nous devons bien l'accueillir, nous devons bien nous dire quelque chose et donc répondre à cette investigation, à ce renversement. C'est pour ça que le sol se soulève, et la Vierge, le manteau de la Vierge, descend vers nous et entre nous. Voilà. On ne peut pas rester impassible. Ce n'est pas une image à distance, hein, qui est installée dans la perspective florentine, qu'on regarde de loin comme une mise en scène. Pas du tout. On est, voilà, la foi descend vers nous, ça, cette chose-là, toi qui regardes le tableau, qu'as-tu à en dire? Et tout descend, voilà, tout vient vers le spectateur. Très bien. Alors, la crucifixion, un espace mental, donc j'ai l'œuvre comme vertige et comme abstraction, et comme image d'image. Alors, je vais vous présenter donc quelques œuvres qui sont. On connaît une de Philadelphie, elle a été à Philadelphie pour en voir une, mais malheureusement, ce jour-là, le musée était fermé, bon, il y avait des travaux. Alors, je vais vous montrer là. C'est moi, cher Fédéral, fille de fille, le madame. Le dit, attends, le rouge, le pli et l'icône, pouvoir et mon lieu de la mort. Quel est le lieu de la mort? Où se tient la mort? Y a-t-il un site pour la mort? Van der Weyden, non. Il n'y a pas de site. La incarnation, mort, rédemption, c'est le schéma de l'humanité pour Van der Weyden. Tout le monde se dirige vers cette possibilité. Tout le monde a une chance, tout le monde peut renaître. Là, il faut nier la mort. Vous voyez, ça, c'est le grand truc de la dévotion moderne. Et donc, on ne donne pas. Tous les sites où la mort est présente, on va faire en sorte qu'ils soient des sites
inhabitable. En tout cas, alors, hein, on va créer l'inhabitabilité du lieu de la mort. Non-lieu, on va lui installer un non-lieu. Alors regardez comment ça fonctionne. Alors je vous montre, cette toile a été présentée récemment au Prado, dans l'exposition sur Van der Weyden. Elle a été, pour l'occasion, nettoyée. Je vous présente une image ancienne. Et l'œuvre aujourd'hui, les manteaux, les vêtements sont très très blancs, luminescents, et le rouge a été reconstitué, surtout à sa longueur. Mais pendant très longtemps, c'était à l'Escurial, et c'était ensuite au Prado, c'était comme ça. Donc c'est la crucifixion, c'est le Stabat Mater, comme on dit parfois, la mer debout, en quelque sorte, vers 1457, 3,24 m sur 1,94 m, cette entrée à l'Escurial en 1574, et ça se trouve donc au Real Monasterio San Lorenzo, au palais de Saint-Laurent, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce que c'est que ce lieu? Il n'existe pas. C'est un lieu résumé, en quelque sorte, c'est une métaphore. Un petit mamelon verdâtre, terreux, quelques blocs de rochers. C'est tout. Le Golgotha, c'est un signe étroit pour dire le Golgotha. Ça n'est pas un lieu, ça n'est pas un espace. La croix est fichée là, elle a d'ailleurs des fondements, elle est installée comme sur un bloc de béton ou un bloc de pierre, elle est dans la pierre. Elle a, son appareillage lui-même désigne cet objet comme un objet non historique. Il ne veut pas créer quelque chose qui renvoie à une reproduction de type sociologique, si vous voulez, voilà comment ça se passait sur le Golgotha. Donc il crée un appareillage en quelque sorte qui soustrait cet objet-là à la possibilité pour nous de l'installer dans le temps. Et derrière, il supprime le lieu et il installe une sorte de drap qui vient au-dessus également en panneau, en dosseret, si vous voulez, et puis en dé. Rouge, mais qui a été plié, qui a été donc déplié pour l'occasion. Ça renvoie à la fois, évidemment, au linceul du Christ, et puis ça renvoie également à l'icône. Mais cette icône, tout d'un coup, elle est noyée de sang. Vous voyez donc, c'est la grammaire plastique de Van der Weyden, c'est de trouver la porte d'entrée, la faille par laquelle on va faire une fraction. C'est inouï, cette scène est absolument inouïe, et il va... Alors bon, regardez la position, Marie... Alors, c'est un Stabat Mater, dans le Rosa, etc. Et puis Jean, qui est dans une sorte d'élan, et de extrêmement, regardez comme le geste est extrêmement retenu, et le sang coule, on est dans l'axe central, la blessure est dans l'axe central de la peinture. Hein. C'est une modernité absolue, hein. Il y a presque une abstraction, si vous voulez. Mais les figures sont parfaitement humaines, regardez ça. Et le Périssonium qui a été pas surjoué, hein, ça a toujours été un objet compliqué, comment représenter le vêtement autour de ce vêtement. Donc, dans la tradition, le Christ porté autour des hanches, faut-il lui donner de l'ampleur, du volume, faut-il le jouer à minima, comment le représenter. Alors, ça ne s'arrête pas là, il va donc aller plus loin, je vous montre dans la même le diptyque de la crucifixion, donc il se trouve à Philadelphie, voilà, c'est Gardin qui voulait voir cette chose-là, vers 1450-1455, Jean et Marie, 1,78 m sur 98 cm, donc il y a un panneau pour Jean et Marie, et il y a un panneau, ils sont raccordés à minima. Donc celui-là, quand au fond, on n'y accède pas, même Jean et Marie ne peuvent pas se tenir au pied de la croix. C'est terrible. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas impunément vous mettre à genoux, prier et arriver au pied de la croix. Ça, vous pouvez y aller. Hein. Ça ne se passe pas comme ça. Vous voyez, ça pose des questions aussi, liées à la croyance et aussi liées à la façon, à la stabilisation qu'on peut faire mentalement de ces lieux-là. Eh bien, lui, il dit, c'est un lieu mental. C'est un lieu mental, il n'y a rien. Une sorte de mur, on dirait presque du béton, c'est très curieux pour nous modernes. Et puis, ce dé qui descend derrière, qui renvoie évidemment au protocole de la seigneurie, de la royauté. Mais royauté et seigneurie pour ce personnage, pour cet homme mort. Donc on a tout est simplifié, tout est décharné en quelque sorte. Il y a très, 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 rien de surjoué en quelque sorte. Et puis le Titulus qui est là-bas, il est marron sur fond noir et il est. Est-ce que c'est peint un rouge du même rouge que le Périssonium qui flotte doublement là. Alors je vous montre, j'ai fait. Ah, je crois que j'ai mal réussi mon collage d'ailleurs. Non, c'est ça. Ça se rapproche avec le. Et puis le crâne d'Adam,
tibia. Et la fissure, on peut pas passer de toute manière. Il y a comme une espèce de fracture en quelque sorte entre ces tendons. Comme si, quand au fond, la passion est un événement qui a cessé d'être pensable dans le monde réel, du Christ souffrant, dans le monde réel. Il s'est déplacé, il entre dans le monde mental et dans le langage du cœur. Et même Jean et Marie, quand ils y étaient, au Golgotha, ils n'y étaient pas tout à fait d'ailleurs. Lisez, il y a des récits. Y étaient-ils d'ailleurs, hein. Il y a cette espèce de non, personne, c'est le silence. Voilà. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le silence de la créature. Hein. C'est l'humanité de Jésus qui est installée comme ça, de manière foudroyante. Hein. Et on sent qu'il. Ça réfléchit, s'il vous plaît. Alors je vais vous montrer. Ce qui va être l'une des grandes qualités de Van der Weyden, les triptyques, il va avoir donc ces panneaux, panneaux centrales, deux panneaux latéraux, qui se rabattent assez souvent, mais il va créer des triptyques non fermants, qui restent ouverts, donc constamment ouverts. Évidemment, quand on ferme les panneaux, il y a des revers, assez souvent des grisailles. Il y a toute une économie de ces triptyques, on les appelle triptyques aujourd'hui, mais en réalité, c'était des retables. Toutes ces œuvres-là étaient destinées à être posées rétro-tabula, en arrière de la table de l'autel, et c'était donc des objets paraliturgiques, des objets associés à la liturgie, et ils avaient une fonction. Et ils étaient la plupart du temps, pendant toute l'année, fermés sur les grisailles. On voyait les grisailles, on voyait par exemple l'Annonciation, Gabriel à gauche, Marie à droite, mais dans des figures qui ressemblaient à de la pierre, tout est gris, tout est. Voilà, c'est le temps de la congélation, et le jour de la semaine sainte, voilà, mort et renaissance du Christ, on ouvrait les panneaux dans les églises, la couleur apparaissait, voilà. Donc il y a une mise en scène formelle, plastique, visuelle, de la fermeture et de l'ouverture, du déploiement de cette œuvre-là. Alors, se souvenir, se reconnaître, habiter le temps, ce sont les grandes préoccupations qu'on trouve, qui sont proposées en quelque sorte aux spectateurs. Et c'est pour ça que ce Van der Weyden n'a pas fait des œuvres religieuses seulement pour les gens qui croyaient, mais il l'a fait dans un souci d'universalité absolue. En posant cette question, sommes-nous dans le temps, oui ou non? Vivons-nous, pouvons-nous habiter le temps, oui ou non? Et qu'est-ce qu'un homme? Qui est-il? Est-ce qu'il y a un nom? Est-ce qu'il se résume à des armoiries, à un passé? Qu'est-ce que se reconnaître? Se connaître soi-même? Et puis, qu'est-ce que se souvenir? De quoi avons-nous nous souvenir dans notre vie d'homme? Ces trois questionnements sont dans ces œuvres-là. Il va les poser systématiquement, et en quelque sorte, on est à nouveau dans l'économie de, comment dire, par la peinture, il raconte un peu la dévotion moderne. Il crée des disponibilités d'ouverture d'esprit chez le spectateur. Alors, je vous demande ça. Que dire de ça? C'est un pur chef-d'œuvre. Dolorimus, Plantibus, Matricidus, sa mère, donc en douleur et en lamentation, hein, c'est le 13 sur le nom de ma liste. C'est la triplée de la crucifixion, vers 1440. Avec les panneaux latéraux Marie-Madeleine et Véronique. Chaque panneau mesure 1,10 m sur 34 cm. Voilà. Ça se trouve au Kunsthistorisches Museum à Vienne. Quand vous allez au Kunsthistorisches Museum à Vienne, c'est dur, hein, parce qu'il n'y a que des chefs-d'œuvre. Ils ont l'allégorie de la facture de Vermeer. Vous passez de pièce en pièce, c'est le syndrome de Stendhal. Vous êtes effondré. Vous voyez, ça, c'est une profondeur absolue. Alors, les donateurs sont là. Très beau, les vêtements très beaux. Hein. Le genre, la réticence à regarder, ou le refus, enfin la modestie de la femme qui ne va pas regarder ce qui n'est pas à voir et qui n'est pas là de toute manière, et l'orgueil de l'homme qui, quand même, s'imagine qu'il peut être assis comme ça, qu'il peut être à genoux au pied du Golgotha, au pied de la croix. Qui s'imagine ça? La femme n'a pas ce. Vous voyez, ça, c'est Van der Weyden. Le positionnement des femmes dans les peintures de Van der Weyden est toujours très très bien pensé en quelque sorte. Les douleurs ne sont pas vécues de la même manière. Alors, une fissure qui a été installée, peut-être par l'artiste, il en a l'habitude, histoire de séparer le lieu réel des donateurs qui ont posé dans l'atelier. Et du Golgotha, il n'y a aucune raison que le Van der Weyden les laisse comme ça, aller prendre la machine à remonter le temps et s'installer au pied de la croix, comme si c'était un acte de saint. Marie, donc, Plantibus, qui ne veut pas dire comme une plante, ça a été interprété
de manière un peu facétieuse, mais un peu schématique, on Marie qui s'enroule comme une liane, comme autour de la croix. C'est une figure qui va ensuite se développer, être très, très, très présente. Jean qui la retient, toujours présent. Vous savez, je te confie, mère, je te confie Jean, et il dit à Jean, je te confie ma mère. Bah, c'est du haut de la croix, hein. Il scelle en quelque sorte, il scelle l'après-mort. Hein. C'est aussi comment une famille se recompose et continue. Il y a quelque chose à faire, c'est beau. Périphérie, jeune homme tellement surjoué, dans un paysage à la flamande, ouvert sur les lointains, bien scandé dans ses reliefs, des personnages qui sont dans les lointains, et puis cette habitation, c'était sans doute le commanditaire. On alignait le commanditaire avec son lieu, en quelque sorte, son espace géographique, son fief, en quelque sorte. Et puis voilà, c'est un paysage qui s'articule, les pleurs d'un côté, où les anges sont plongés dans une sorte d'obscurité, on se demande d'où elle vient, ils sont auto-obscurs. C'est très 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 beau, hein. C'est très étrange. Au milieu, là, ils sont, bien qu'étant là, ils échappent à la luminosité, cette espèce de lumière, on ne sait pas d'où elle vient, qui couvre tout, qui descend, comme cette très belle lumière terrestre humaine. Mais eux sont dans un autre monde. Et dans le monde auquel ils appartiennent, leur lumière intérieure s'éteint devant le drame. Et donc ils glissent comme ça dans une sorte de bleu outre-mer abattu. C'est très beau. Là, il y a une sorte de lamentation, on s'y voit presque un ombre chinoise. C'est pas tout à fait une ombre chinoise, hein. Parce qu'on a une ombre chinoise, voilà. C'est pas du tout les anges de Giotto qui pleurent devant nous en serrant les poings et tout. Non, là, il y a cette pudeur. Et puis, c'est seul, toujours, hein. Le visible, l'invisible, le premier degré de visibilité, les choses de l'invisible qu'on a fait monter pour vous les montrer, mais quant au fort, on ne peut pas le faire. C'est un miracle. Alors, et à droite, Véronique, Vera Iconia, la véritable icône, avec son voile, donc. Son voile à la main, ça ne se trouve pas dans les évangiles à proprement parler, c'est un récit plus tardif. Jésus porte sa croix et va vers le lieu de son supplice, et elle lui tend un mouchoir, fait-le, et il éponge le sang et la sueur, ce qu'on appelle le sudarium, le sang et la sueur, et quand elle relève le mouchoir, le visage est imprimé. Donc c'est l'image non manufactum, comme disent les chrétiens, non faite de main d'homme. Alors faite par qui? Eh bien, comme le dessin de Saint-Luc, parce que Saint-Luc n'a pas réussi à peindre la Vierge dans le récit, dans l'un des récits, parce qu'il y a plusieurs récits. Et il va se coucher, le lendemain, quand il va à l'atelier, le tableau est terminé. Les anges sont venus la nuit terminer le tableau. Même Saint-Luc ne parvenait pas à dessiner la Vierge. Donc, vous voyez, on a ces éléments-là, et donc c'est un récit à accueillir aux poètes, hein. C'est-à-dire fait par le divin, quelque chose qui n'est pas... Voilà, et donc, si ça, c'est la reproduction d'un objet acaïropoïète, d'un objet non manufactum, non fait de nom d'homme, et bien Van der Wagen est celui qui est capable de copier ce qui n'est pas une copie, qui n'est pas fait de main d'homme, mais qui est fait par le divin. Il est, vous voyez, il a orgueil du personnage, ou bien volonté d'aller dans un... de placer la peinture dans cet espace-là, dans ce défi, quand même, d'aller présenter la richesse, en quelque sorte, ses possibilités, la force de son pouvoir. Hein. Alors, celui-ci, je l'avais déjà eu l'occasion de vous commenter dans une autre conférence. Le critique Abegg, donc il vient de la Beck Stiftung. Stiftung, c'est une fondation de Werner et Margrethe Abegg, ce sont des industriels du textile, pour vous montrer. Et ils ont, donc à Regensburg, c'est en Suisse, hein, ils ont ouvert, ils ont fait, c'était des collectionneurs, lui c'était un industriel du textile, c'était un amateur de tissus anciens d'abord, c'est un collectionneur de tissus anciens, et puis il avait une fortune considérable, il a acheté des œuvres, et notamment des œuvres flamandes. Ça c'est une vue du musée, vous voyez, vous avez des tissus coptes, des choses comme ça, et puis vous avez le Van der Wagen qui est là. Alors, au musée, vous avez des groupes qui vont regarder les tissus et qui sont bons. Et puis, vous avez d'autres groupes qui sont là et qui restent là. Vous voyez, ils sont venus pour Van der Wagen. C'est pas les mêmes. Ils se croisent, mais... regardez, la petite tablette, eh bien, vous êtes là, c'est à hauteur de vos yeux. Il n'y a pas de ligne au sol. Hein. Vous pouvez mettre votre nez dessus et tout. Merveilleux. Merveilleux. C'est comme le musée de Groningen Museum à Bruges, avec la Vierge Charlemagne de Van der Pal et la de Manek. Elle est là, elle est posée là, bien bas, comme ça. Et puis vous êtes debout, vous vous approchez. Le gardien, alors, il ne vous dit rien. À la flamande, c'est entre nous. Hein. Et on a, on, on,
Louvre, ils ont mis voilà, des lignes rouges, attention, les alarmes. Alors c'est une œuvre d'une force et d'une densité plastique absolument étonnante. Alors on retrouve la Darmati, madame, le porteur de la croix. Oui, on retrouve un peu ces personnages, ils ont d'ailleurs les mêmes visages, peu ou prou, la Vierge, la différente organisation spatiale du mouvement, Jean qui retient la Vierge, Jésus, la catastrophe cosmique. La Lune, le Soleil, on a un cataclysme, c'est un événement qui pose une question cosmique. Un paysage profond, on imagine une ligne d'horizon, mais vous voyez qu'il y a une sorte de courbure, et ça revient ici comme ça. Alors, on est dans un lieu, ce lieu est comme un lieu ové, en quelque sorte, c'est le lieu où s'incarne la douleur et la possibilité pour l'humanité de repartir. Ça donne une information de type théologique. Et puis là, sur le côté, dans le panneau de gauche, le pauvre Umberto de Villa, qui était un banquier florentin, et qui avait commandé cette œuvre pour la ramener sur l'église de Chieri, en Italie, où se trouvait l'albergo del Cygne, l'auberge du Cygne, qui était une confrérie. Vous savez, cette époque, il y a énormément de confréries, hein, de guides et de confréries, une marqueterie comme ça de confréries. Et il offre cette peinture pour la guilde du Cygne, pour la confrérie du Cygne, pour mettre sur le maître-autel. Et il représente les armoiries de sa famille, les armoiries de la guilde, là, mais il les représente à l'envers. On ne peut pas les voir. Pour les voir, il faut être allé de l'autre côté. Et on pense aujourd'hui qu'il le fait parce que c'est un bâtard. C'est un bâtard et il y a toujours cette problématique du bâtard. Le reconnaît-on, le chaste-t-on, à quelle place a-t-il dans la famille, etc. Et on pense que c'est un cadeau qu'il a fait pour pouvoir être accepté, pour être reçu, enfin, voilà, comme il est. Et il s'est habillé, non pas à la mode de son époque, mais à la mode de la génération de son père. Le message est crypté, mais il est évident, hein, vous voyez, il vient plaider sa cause, voilà. Et en priant la scène, d'ailleurs, vous voyez qu'il ne regarde rien. Il est très tendu, il a le regard intérieur, il est très sobre. Alors je vous montre le triptyque des sept sacrements. Donc baptême, confirmation, pénitence, eucharistie, ordination, mariage et extrême onction. Des années 1440-45, ça se trouve à Anvers, au musée Fortschoen-Kunsten des Beaux-Arts. C'est aussi un coffre-fort, le musée d'Anvers. Alors ça a été commandé par l'évêque de Tournai, Chevreau. Et Chevreau demande, c'est quand même incroyable, il demande pour le maître-autel de la cathédrale un retable dans lequel il y aurait un retable. Et on voit que dans le retable, il y a un retable. Et donc il y a une mise en abîme, comme disent les modernes, une mise en abîme de la peinture elle-même dans sa double fonction de représentation à distance de la totalité des récits et des scènes, et en même temps de son rôle paraliturgique sous la Vierge. C'est une Vierge dans une petite statue qui se referme, vous voyez. Donc on a un dispositif, évidemment, Van der Weyden a dû être assez ravi d'avoir l'occasion de nous montrer sa virtuosité. Alors regardez, il n'y a pas deux plans pareils. Hein. Ici, la perspective de ce lieu et la perspective de ce lieu, pour la hauteur des personnages. Ici, il y a une autre perspective, bien qu'elle semble être en cohérence. Ces figures sont plus grandes, sont surdimensionnées, elles ne s'adaptent pas, elles ne pourraient pas entrer dans cet univers-là. Elles ne sont pas... Ça jouxte l'espace, mais c'est un espace disjoint. Et là, un autre espace disjoint, qui plus est vu latéralement, et en plongée. Qui est vu en plongée. Bref, il articule trois espaces qui sont dans une grande continuité de visibilité, mais les personnages dans ces espaces eux-mêmes sont saisis selon des systèmes optiques et des systèmes de vision différents, avec des raccourcissements, bref, un montage phénoménal. On se demande comment ça tient d'ailleurs. Un montage absolument phénoménal. Regardez, vous passez de Jean à ça. Vous voyez, quand on regarde les raccords, on voit bien que les raccords sont des faux raccords, on dirait au cinéma. Il y a des faux raccords. Mais ça hurle tellement, si ça hurle tellement, et là, Van der Weyden, c'est le signal de Van der Weyden, c'est le dérouge. Si ça hurle tellement, c'est que quand au fond, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas avoir ça. Les sept sacrements, c'est pas quelque chose qui se montre avec des figures. Voilà, c'est pas parce qu'on montre à un enfant qui est baptisé que ça représente le baptême, parce que c'est pas ça. Vous voyez, c'est toujours la surimage, en quelque sorte, la surexploitation de l'image avec ses possibilités de focalisation, de construction spatiale, montre bien que, quant au fond, l'image ne peut pas venir à bout
de ce référent. Elle ne peut pas le traiter, parce qu'une part de sa dimension échappe à la représentation. C'est toujours cette espèce de surplomb et de déboîtement propre à Van der Weyden, qui en fait un maître. Il n'a pas pris ça comme un peintre vériste, si vous voulez. Il ne représente pas des choses comme un peintre vériste. Alors, je vais passer, alors oui, la croix dans le milieu même de... Voilà, là-bas, la messe, la croix, on passe, c'est l'Eucharistie, c'est l'époque où véritablement il y avait une montée en puissance, évidemment. L'élévation comme ça, d'eau à la salle, d'eau aux croyants, d'eau aux fidèles, ça, c'est 13e siècle, ça commence au 13e siècle. Ça monte, enfin, la liturgie se met en place progressivement, et donc on monte. Hein, alors, je vais. C'est plus très loin de moi. Les retables ont écrit conformément les récits de leurs espaces complexes, les seuils de l'image. On va regarder deux œuvres. Le retable de la Chartreuse de Miraflores. C'est une œuvre qui n'a quasiment jamais quitté son lieu, qui se trouve en Italie. Et puis le deuxième, c'est le retable de Saint-Jean-Baptiste. Alors, ce sont donc des objets qui sont des triptyques qui ne ferment pas, qui présentent des scènes articulées, mais ça ne se rabat pas. On a la Vierge à l'enfant, avec Joseph à côté. Au milieu, on a la descente de croix, la Pietà. La descente de croix est devenue Pietà, s'est transformée en Pietà. Marie, dans un geste absolument prodigieux, tient le corps de Jésus et il est totalement minéralisé. Ça, c'est l'impression de Van der Weyden. On va le trouver un peu partout, ça va essaimer. Mais le corps du Christ a perdu sa souplesse, etc. On est dans la mort. La mort, c'est ça. C'est exactement ça. Et ça rend évidemment la rédemption beaucoup plus importante. Mais cette rigidité du cadavre, en quelque sorte, est vraiment la marque de l'atelier de Van der Weyden. Vous voyez, et puis, le pied, vous voyez, on a un petit seuil. Le pied vient, sort, quitte l'espace limite et vient dans notre espace à nous. Qui, le pied de qui? De tout le monde? Non, simplement du mort. C'est le mort qui vient nous solliciter en quelque sorte. Et puis à droite, il quitte son tombeau là-bas et il surgit dans la chambre de la Vierge. Et elle est effrayée d'ailleurs, elle a un mouvement un peu d'étonnement. Et il porte sa blessure au côté, mais vous voyez qu'elle ne le regarde pas. Elle a les yeux un peu en avant, comme si, quand au fond, ça n'entrait pas tout à fait dans la possibilité de la vision. C'était comme une vision diffractée. Il y a toujours ce régime tout à fait étonnant. Et puis, ces voûtes, avec des anges qui ont des phylactères, les cailles phylactères répètent un peu les qualités de la Vierge, donc Probantissima, donc la plus reconnue pour le premier, pour la Nativité Fidelissima, donc la plus fidèle, et pour la Déposition, Fons Omnia, victorieuse de tout, y compris. Après, de la mort victorieuse également, l'espace profond qui ont continuité. Et puis, ce sont comme des apparitions qui sont faites sur le seuil de l'église. Vous allez à la messe tranquillement, et puis boum, vous avez une apparition. Et c'est, il faut franchir l'apparition pour rentrer dans la pièce, hein, pour rentrer dans le lieu. Et là, la croix qui s'installe un peu comme position du taux, presque, qui s'installe de signe qui renvoie à la totalité du monde. Il est très beau, puis le travail des mains, et la gestuelle. Et il vient là-bas, il surgit, et il vient du lointain, mais c'est un film, c'est séquencé, hein, on a une séquence, un autre passage, là, il y a un mouvement qui s'installe du plus profond du monde vers nous, et puis au-delà de nous, puisque les premiers plans, les pieds sortent, les objets sortent, et viennent. Alors, le retable de Saint-Jean-Baptiste, vers 1455, Élisabeth et Zacharie, là-bas à gauche, donc la naissance de Jean-Baptiste, au milieu le baptême du Christ, et à droite la décapitation de Saint-Jean-Baptiste. Et là, tous les petits groupes sculptés en grisaille, hein, enfin on a l'impression que c'est sculpté, hein, c'est vraiment, ça mime également le portail de la cathédrale, c'est toujours cette espèce de réglage du seuil, le réglage optique du seuil. Le seuil ici est effectué, c'est l'église, hein, tout se passe à partir de l'église, hein, ces visions, cet émerveillement, cette inquiétude parfois, de surgissement de ces figures venant dans ces ou bien tout ça, ça a lieu dans l'église, c'est lié dans quelque sorte, non seulement à la foi, mais à une foi qui se délivre, qui se traduit dans le lieu même de l'église, avec toujours la possibilité d'entrer dans un premier plan, et puis l'obstacle qu'il faut franchir pour passer dans une autre. Alors, la présence tangible de l'être au monde,
Je vous montre, ce triptyque. Je le considère comme des portraits, donc le triptyque Braque, Jean Braque et Catherine de Brabant. C'est un retable de dévotion privée, donc on dit que c'est le seul retable, pas tout à fait le seul retable de dévotion privée qu'on ait conservé de Van der Weyen, mais presque. Les œuvres bien princières nous sont restées, nous sont demeurées, elles étaient dans des coffres-forts, dans des châteaux protégés, etc. Mais assez souvent, les œuvres qui étaient dans les familles riches, se sont perdues, ont été détruites, démembrées, enfin bon, il y a une histoire et très terrible. Et alors là, on a donc Jean Braque et Catherine de Brabant. Elle est très jeune, elle a une vingtaine d'années, Catherine de Brabant, et son mari, plus âgé qu'elle, une vingtaine d'années, semble-t-il, décède brutalement. Ils ont quelques mois de mariage, elle décède brutalement. C'est elle qui fait la commande, c'est elle qui commande ça. Et on pense, c'est une interprétation de l'historien de l'art de Sherlock Holmes, on pense que si Van der Weyden les a mis comme ça si près du Christ, c'est qu'il y avait une sincérité qui l'a touché. Parce que ça n'existe pas, hein, c'est pas possible. Vous voyez, elle est là, mais ils sont tous les deux. Alors évidemment, les regards sont dans le vide. Il ne regarde pas Jésus, dans le fond, c'est la matérialisation du vivant intérieur, il n'est pas présent. Mais ils sont là, voilà, le personnage mort et la vivante qui est représentée avec des mains magnifiques. Donc, portrait fait à l'atelier. Voilà, je zoome là-dessus pour montrer la larme suspendue, la larme ici, la deuxième larme qui est dans l'œil. Si vous voulez, c'est un pathos, mais de l'existence humaine, qui n'est pas surjoué, qui n'est pas théâtralisé. Et c'est ça qui rend la peinture de Van der Weyden absolument foudroyante. On a tous eu des décès dans les familles, on voit bien que ce qui est représenté, c'est la chose elle-même. Ça n'est pas du tout une mise en scène ou un récit a posteriori. Il y a une grande humanisation. Voilà, on ferme. Voilà. Donc, Catherine de Brabant avait ça sur son petit hôtel privé où elle priait, elle avait derrière donc, le crâne appuyé sur la brique. Alors, la brique, il y a des interprétations, le crâne d'Adam, dit-on, la brique, je pense que c'est le crâne de la mort, tout simplement, pas le crâne d'Adam. Je pense que cette brique cassée, ça fait allusion à cette référence à la pierre d'angle. J'étais la pierre d'angle et on m'a jeté. On n'a pas voulu de moi. Vous savez, dans cette phrase qui est dans les proverbes et qui revient à plusieurs reprises, et qui montre que ici, il y a un défaut dans la construction, que quelqu'un peut être malmené, maltraité par l'existence, et que voilà. Et donc, elle est réintroduite. Il a été malmené par l'existence, après tout, il était la pierre d'angle de cette famille, il disparaît. Ça me paraît logique qu'il lui mette cette pierre d'angle. Ici, la gerbe d'or, c'est Jean Braque, c'est son Johann Braque, c'est son héraldique. Et là, l'héraldique de sa femme qui a intégré le motif de son mari avec une croix, et qu'on retrouve ici avec une inscription qui vient de l'ecclésiastique, pas l'ecclésiaste. Comme tout à l'heure l'Annonciation, ça se trouve au Louvre, L. Richelieu, deuxième étage, salle 19. Vous pouvez y aller, il n'y a personne. C'est très peinard. Et vous avez l'Annonciation et ça. Alors ça, c'est dans un caisson de verre. On peut voir les deux, le revers. Hein. On passe de lumière à l'ombre, quasi noir. Vous voyez, c'est quand même, n'oublions pas, la mortalité est effroyable dans cette période-là. Les gens mouraient, la famille était pantoise, on ne savait pas pourquoi, si vous voulez. Et c'était vraiment vu comme une sorte de justice, des décisions divines. Les enfants mouraient en bas âge, d'accord, mais les adultes aussi, donc, disparaissaient. Et bon, dans les recherches historiennes là, on trouve des fois aucune indication. Il a 37 ans, il meurt, bon, voilà, on meurt en l'enterre. Personne ne donne un pronostic, personne ne fait un diagnostic, personne ne dit il est mort de ci ou de ça, non, il est mort. Vous voyez, on sent qu'il y a. La vie était différente, vraiment très différente. Hein, et le deuil était très important. Toutes les familles étaient omnibulées, c'est une question absolument quotidienne. Hein. Alors, ça, c'est un fond du tableau, derrière Jean-Baptiste. Alors, je vous montre donc le tableau en litige, là. C'est le portrait d'une jeune femme. Alors, certains historiens de l'art disent que c'est Elisabeth Goffert qui épouse l'artiste. Semble-t-il que c'était Elisabeth Goffert qui épouse l'artiste. Mais bon, d'autres historiens de l'art, plus malins ou plus tourmentés, disent que c'est Nicole de Bosquiel, celle qu'on surnommait la Châtelaine. La Châtelaine. C'était la maîtresse du duc de Bourgogne. Elle ressemble au portrait fait par Peter qu'on a vu au début, un peu joufflu comme ça, et l'épingle là qui est portée dans son photo. Les mains, les bagues, toute une signification.
très beau vêtement, très beau portrait. C'était à Berlin. Le deuxième grand portrait de jeune femme, celui-ci se trouve à Washington, c'est le portrait d'une jeune femme, donc ancienne collection Andrew Mellon. Vers 1460, on est à la fin de l'existence du maître. Ça n'est pas une bourgeoise, hein. Il y a eu un dialogue sans ceinturon, démontre qu'elle fait partie de la noblesse, elle fait partie des couches aristocratiques. Elle est présentée évidemment dans une attitude de prière, les yeux baissés, c'est une pudeur. Et puis elle a une très belle coiffure et le voile qui descend, hein, mais pas de maquillage des yeux. Hein. Ah non, on n'est pas en Italie, hein, faut pas rigoler, pas de maquillage des yeux. Et le crâne, encore, vous voyez, les cheveux tirés très très haut, mais c'est le crâne déliné comme ça. Par contre, le maquillage de la bouche intervient, mais rien, pas de bijoux d'oreille. Voilà, c'est une princesse, hein. Elle est quand même représentée dans cette humilité, cette distance, cette, voilà. Mais tout le vêtement bourguignon, c'est montrer, cacher, couvrir, recouvrir. On couvre et on recouvre. Hein. Il y a le voilement, cette idée du voilement dans le vêtement féminin bourguignon est assez stupéfiant. On le voit ici, c'est un voile sur un voile. Vous voyez, un voile sur un voile. Un voile qui passe, qui se met comme ça, et ensuite on chausse le tissu, et on le modèle soi-même. C'est pas à la Florentine où on chausse et monté sur une armature de rotin, et on la met, pof, on le met dessus. Non, non, on le fabrique. Donc il y a un geste, il y a une prise, il y a des. C'est une société qui veut ça. Il y a une gestuelle pour l'habillement. L'habillement n'est pas tout fait. On l'adapte à sa mesure et on se présente en quelque sorte avec une façon de porter le vêtement, une façon de porter le gant, une façon de mettre la ceinture, etc. C'est aussi ça qui signe la singularité. Bon, très beau visage. Alors, je vous montre ça parce que c'est quand même le portrait de Philippe le Bon, duc de Bourgogne. Il est coiffé de son fameux chaperon surdimensionné, là, vers 1450-1464. C'est un portrait ultime, presque, du maître. Il y a celui-ci se trouve à Dijon, au Musée des Beaux-Arts. Il y a d'autres versions au Louvre, à Bruges, à Vienne, au Château des Windsor. Il y a pas mal de versions. Je vous montre ça, c'est. Alors, il porte le. Il porte l'emblème de la toison d'or. Hein, l'emblème de la toison d'or. Alors, le mouton, là, suspendu, tout est en or, et le collier ajusté qui colle à la peau, qui n'est pas tendu. Alors, par contre, le bâtard, il le porte mal. Hein, il y a une querelle là-dessus sur. Regardez, c'est débraillé quand même, c'est pas possible. Mais on a un texte là-dessus sur la façon qu'il a de le porter, à tel point qu'il y aura, à l'issue de ce portrait, il y aura un règlement qui va être fait pour indiquer qu'il faut, non, il faut le porter baissé, pas débraillé, serré, et voilà, avec dignité en quelque sorte. Alors il est là avec sa flèche. Bon, c'est un bâtard qui le fait, c'est Antoine, le grand bâtard, dit le grand bâtard de Bourgogne, ça se trouve au Musée Royal des Beaux-Arts à Bruxelles. C'est vraiment très beau. Beaucoup de choses ont été attribué à Bourgogne, on ne savait pas quelle était. Bon, c'est le visage évidemment de la Vierge de Winterberg. On voit son visage, cette empathie, cette cordialité comme ça, cette ouverture. Vous voyez, c'est la Vierge de l'enfant, type, mais c'est aussi un type de disponibilité par rapport au monde. Hein. On voit bien. C'est un prototype qu'il a fait dans l'atelier qui va se retrouver. Donc voilà, une petite Vierge à l'enfant magnifique. Elle se trouve à Houston, 31 cm 9 sur 22 cm. C'est un petit tableau. Alors regardez ça, c'est. C'est très beau. Hein. C'est vraiment. Il y a une confondante humanité dans ses œuvres, si vous voulez. Il est une sincérité. Il fait pas un enfant qui ressemble à. C'est pas, vous voyez, comme on le voit assez souvent dans la peinture italienne. C'est pas quelque chose, une forme qui est censée être un enfant. Non, c'est un enfant, un vrai. Et il y a eu du dessin réalisé pour avoir ses attitudes, c'est-à-dire. Qu'il ait capté ce geste, ça veut dire qu'il était assis dans un fauteuil devant une maman et son bébé, peut-être chez lui d'ailleurs, et qu'il a attendu assez longtemps, il a observé des gestes, des mouvements d'enfant. Vous voyez, ça donne cette idée-là, simplement, d'être dans une sorte de vérité. Et regardez la double geste de saisie de l'enfant avec la main ici. On sent les petites épaisseurs du corps. C'est admirable. Et hop, et dès qu'on monte, on a cette Vierge-là qui est réelle, irréelle. Qui
semble venir à travers le temps. Voilà, un très beau diadème avec des perles. Hein. Voilà. Alors, une autre petite vierge à l'enfant. Alors, c'est une vierge à l'enfant fin 15e siècle, donc là, qui se trouve... alors, j'ai mis ça parce que ce tableau est passé chez Sotheby's. Il a été vendu le 12 juillet 2001. Je ne sais pas quel était le résultat des enchères, mais j'imagine que ça a crevé le plafond, parce qu'il n'y a pas de Van der Bemmel qui passe en vente. Vous voyez, c'est atelier. Ça a été fait donc après la mort du maître, 20 ou 30 ans après la mort du maître. Mais on retrouve des éléments de ces œuvres, hein, les pierres retirées. Il est très têtu, ça lui fait très plaisir. Vous voyez, c'est une humanité, c'est un enfant. Vous voyez, son destin n'est pas arrêté quant au fond. Vous voyez, il n'y a pas cette mécanique, en quelque sorte. Il ne se projette pas dans un plan, dans une sorte, dans cette mécanique. Il est dans un plan d'universalité. Et puis la mer, qui voilà, qui offre ça. Le fond est assez étrange. Alors, je vais terminer avec ça, les panoramiques et les espaces enchâssés. Les lieux de la sortie du cadre et de la vision multipliée. Là, on est dans l'ordre de Brienne, c'est-à-dire construire des œuvres, des politiques déployées, des œuvres où il y a une totalité d'étendue longitudinale et une grande profondeur, et s'amuser dans cet espace vrai à installer des faux semblants, des contre-espaces, des espaces de vision, de symboles, etc. Donc, bref, la grande machinerie, on imagine un atelier où ça discutait beaucoup, où le maître devait certainement beaucoup expliquer son propos. Et c'est ce que j'appelle la sortie du cadre. C'est systématiquement, on peint quelque chose qui sort du tableau. Hein, personne ne regarde un tableau. Les gens regardent une scène qui regarde. Alors c'est le jugement, je n'ai pas de très bonne reproduction, c'est le jugement dernier donc, qui a été réalisé par Van der Weyden et on pense un collaborateur qu'on a, semble-t-il, identifié, qui s'appelle Franke van der Stok, qui était un de ses proches collaborateurs, vers 1445-48. Ça se trouve à Bonn, au musée de l'Hôtel Dieu, je pense que vous avez vu ça. Le panneau central mesure 2,12 m sur 1 m, et les panneaux latéraux sur 1,30 m sur 79 cm, c'est assez grand. Le chancelier Rollin et le Nicolas Rollin, donc le chancelier de Philippe le Bon, donc et le donateur, c'est celui qui a commandé l'œuvre, et il se fait représenter au verso avec son épouse qui s'appelle Guigonne de Salins. Salins de Tours, Guigonne Salins de Tours. Alors bon. Et là, ici, alors ça, c'est la cité de Dieu qui est représentée là, et ici, on accède à la cité de Dieu, c'est Augustin, Saint-Augustin. C'est Saint-Augustin, c'est dans la cité de Dieu, c'est le livre 20. Dans le livre 20, il décrit la porte d'or, l'entrée, l'espace dans lequel se tiennent les assemblées de saints, etc. Donc, on est lettré, on sait, voilà, les choses sont pas... Et puis, évidemment, les réprouver, alors, regardez, vous voyez, bon, on est déjà dans la théologie de la grâce. Hein. Regardez, qui est sauvé? Là, il y en a deux. Là, peut-être encore. Mais ici, les réprouvés, ils sont très nombreux. Plus qu'ils vont en faire, peu seront sauvés. Hein. C'est, voilà, la grâce, il faut faire, comme disait Pascal, il faut faire quelque chose aussi pour la grâce, hein, pour qu'elle soit voilà, efficace et nécessaire. Hein, qu'elle soit pas simplement, Dieu donne quelque chose, mais il faut qu'on marche aussi vers lui. Voilà, c'est ce processus. C'est ça, très dur. Déjà, on est chez le calvinisme presque. Vous voyez, on est dans un mode de pensée où voilà, tout le monde n'est pas sauvé, il ne faut pas s'isoler là-dessus. Regardez, là, ça tombe. Ici, c'est énorme. Et puis là-bas, c'est la porte étroite. Hein. Il y a l'ange qui est là, il touche la porte, et il travaille les passeports. On entre en un. Alors voilà, on ferme les volets, voilà ce qu'on voit. Une annonciation grisaille qui imite la sculpture, c'est très beau, hein, Saint-Sébastien. Et puis, le donateur, Rollin, qui a son visage comme ça, absolument impassible, personnage très très important du jeu de Bourgogne, hein, c'était vraiment un penseur, il gérait les finances, un grand stratège, un personnage très dur, très très dur, assez impitoyable, qui a eu un rôle très important. Et puis, son épouse, qui sont face à face, mais à distance, avec un ange et leurs armoiries qui apparaissent aussi, simultanément des deux côtés. Alors voilà. Alors bon, Rollin se fait peindre par Van Eyck, la Vierge au chancelier Rollin, elle se trouve au Louvre, dans une petite salle d'ailleurs, le tableau est posé assez bas, dans une petite salle où personne ne va, moi j'y vais, je suis seul avec Rollin, on est à deux, le personnage là, oui.
c'est formidable. Mais, et puis, il se fait aussi représenter par van der Weyden. Cet homme savait que s'il voulait laisser son nom à l'histoire, il fallait absolument qu'il soit représenté par ces deux artistes, parce que c'est, voilà, c'est gagner le temps, en quelque sorte. Quel temps? Le temps humain. Il gagnait sa présence dans le temps humain. Et là, par le tableau, il gagne son accès au paradis. Et bien, il est confondu de prière. C'est très bien. Le grand clé, les trois clés, c'est son... L'homme et les trois clés, c'est son... C'est... le retable Bladelin, donc qui se trouve à Berlin, bien malgré la rue à Berlin. C'est un tableau qui a été construit à partir des révélations de Sainte Brigitte, c'est-à-dire une mystique qui avait, dans ce courant du mysticisme du nord de l'Europe, qui avait rêvé, qui avait eu des rêves, et dans ces rêves, c'était mis en place la façon dont l'enfant était né, la façon dont s'était passée la nativité. Il y avait Joseph qui était à cet endroit-là et qui tenait une bougie à la main dont il essayait de protéger la flamme, pour pas qu'elle ne se s'éteigne. Bref, et ce livre-là a beaucoup tourmenté dans les espaces du Nord, et ça semblait tellement crédible et tellement vrai ce qu'elle a raconté. Bon, on trouve encore des éditions, des visions de Saint-Brigitte, ça n'est quoi. Puis c'est très écrit, hein, c'est très écrit, hallucinatoire. Et on retrouve, bon, tout est là, tout est emprunté, si vous voulez, sans doute un vœu du commanditaire. Et là, Joseph, regardez, c'est assez beau, quoi. Le Christ a sa lumière propre, il a son rayonnement, comme ça, aurifère, à tel point qu'il projette la lumière d'or sur les anges, et lui, avec sa bougie, il est un peu déphasé, quoi. Cette bougie, il protège cette petite flamme, évidemment, qui est symbole de vie, hein. Mais il montre bien qu'il n'est pas dans cette lumière-là, mais en même temps, c'est tant que la flamme vit, protège la faible vie de ce bébé qui est représenté, et étrangement, très très maigre, hein. C'est assez, voilà, il y a une faiblesse de l'enfant qui vient de naître. Alors, les rois mages qui sont ici, et qui ont la vision de l'étoile, et l'étoile, l'enfant est dans l'étoile, c'est une thématique dont Hubert Reeves va se souvenir, hein, c'est « Nous avons tous des étoiles », c'est comme dit Hubert Reeves, poussière dans l'azur. Bon, et dans l'étoile est habitée par cet enfant qui est déjà la projection, en quelque sorte, de ce qui va... Et ensuite, lorsque l'étoile arrive sur l'endroit de la nativité, le faisceau conduit, on imagine l'enfant dans la crèche où il doit naître. Il y a derrière un élément de mysticisme absolument considérable. Bon, on peut prendre comme un récit un peu faramineux, ou bien comme un récit qui touche à cette foi naïve et très, très populaire, qui était très populaire. Et d'un côté, c'est une sibylle qui montre la Vierge qui est assise sur son trône, les pieds sur la lune. Hein, ça se trouve dans l'Apocalypse de Jean, ce récit-là. C'est la Vierge qui est également représentée au diptyque de Moulin, au triptyque de Moulin, du maître de Moulin, Jean Rey. Là, on la représente également comme ça, celle qui pose les pieds sur la lune. Alors bon, là, il y a deux objets plastiques, le trou ici et là-bas, la grille, qui rend perplexe les historiens de l'art. Il y a des milliers de lignes qui ont été écrites là-dessus, ce sont des êtres délirants par eux. Bon, mais évidemment, le mal est là, hein. il y a des profondeurs. Au bord de cette scène-là, il y a, je pense que c'est, bon, ici c'est la grille, c'est la fontaine scellée, peut-être, renvoie à Marie, la virginité de Marie, de l'Immaculée Conception, parce qu'on a déjà, on évoquait cette chose-là dès cette époque-là, mais ici, il y a évidemment l'idée des profondeurs, du souterrain, ce qui se passe dans les abysses, c'est-à-dire la présence du mal. Le mal est présent partout. Cet événement-là ne l'anéantit pas. Hein, donc il y a cette idée quand même de présence. Ah bon, le commanditaire est là, et il faut qu'il fasse attention parce qu'il pourrait y tomber. dans le trou, face ici, on pense que c'est sa tour. C'est sa tour castrale qui est là-haut, qui a été représentée. Ça se trouve aux Offices aujourd'hui, c'était dans une chapelle, la Villa des Médicis à Carigi. C'est Van der Weyden et Atelier, Ostensio Corporis, c'est la décoration avec le corps. Il y a un enchevêtrement d'espace tout à fait étonnant. Il y a un premier plan qui est construit comme une frise. Tout est construit comme une frise. Et presque on peut le décoller. C'est comme des figures qui sont. Ensuite, il y a un deuxième espace qui est plus haut, qui semble être un espace à la fois décalé dans le temps, et en même temps un espace qui est articulé dans une autre dimension, qui est évidemment le Golgotha. Et on voit bien que cette articulation un peu étrange montre bien que les personnages qui prient ne voient pas le Golgotha, ils sont en train de prier, et ça c'est ce qui émane de leur propre vision. Il est projeté là, et lui-même il est installé. Vous voyez, il y a deux vues, il y a une vue en plongée pour le bas, ici on a une vue sur l'épaule, et puis
quand on regarde en haut, on a une vue en contre-plongée. Mmh. Il a bien marqué la différence pour montrer que ces points de vue ne sont pas articulaires dans un même espace, ne sont pas homogènes. Et on a des espaces conflictuels qui sont installés. On le voit ici, regardez ici, vous êtes en contre-feu de Genève, et puis là-bas, vous êtes de l'autre côté, on a des espaces contradictoires. On voit bien que les récits ne s'insèrent pas. On ne peut pas avoir une totalité récitative qui raconte, narrative qui raconte tout ça. Il faut... ce sont des filaments, des rivières différenciées avec... les récits qui se tiennent au premier plan, les récits qui se tiennent au deuxième plan, la communication des récits du deuxième plan, l'articulation des récits du premier plan. Bref, il y a, c'est Van der Weyden, c'est cette espèce de femme machine, si vous voulez, à construire des espaces presque impossibles, des richesses, un gros plein d'espace. Alors, c'est le diptyque de Jean de Froidmont, c'est un diptyque de dévotion privée. Là, il y avait des charnières. Et il ne regarde pas, il prie la Vierge, mais il ne la voit pas, et son regard part dans le vide. En réalité, cet objet-là était posé sur l'autel. C'était un autel portatif, dans une auberge, on pouvait prier sur une table, hein, avec ça. À partir du moment où on plie à 45 degrés le retable pour qu'il puisse s'installer, eh bien, Jean regarde la Vierge. Vous voyez, c'est ça l'idée de nous. C'est-à-dire que le regard se parachève dans la position, quand vous êtes dans la position de la foi. Sinon, il n'existe pas. L'image, en quelque sorte, s'installe définitivement lorsque vous l'avez déployé. Alors, c'est dans un tissu, on ouvre. C'était des objets extrêmement précieux. Hein. C'est dans un tissu, on le sort, on le pose sous la chandelle. Pas d'électricité à l'époque, n'oublions pas. Sous la bougie, on le déploie, on se met à genoux, on prie. Et au moment où on l'a déployé, voilà, on est soi-même dans l'image, on entre avec la Vierge. On a un intermédiaire qui est son image peinte, qui communique avec la Vierge. C'est un mode de pensée tout à fait. Alors je terminerai avec cette image, donc on a vu tout à l'heure, le Cornelis Cort, le portrait de Roger Van der Weyden. Il y a un épigramme que j'avais coupé tout à l'heure, je vous le mets là, je vous donne la traduction de cet épigramme. À Rogier, peintre de Bruxelles, toi, Rogier, tu ne dois pas être accablé par les louanges, car tu as peint de nombreuses et belles choses qui ont été appréciées dès ton époque. Tes œuvres, d'ailleurs, restent dignes d'être étudiées attentivement par n'importe quel peintre contemporain, si du moins il a le moindre bon sens. Voilà, je vous remercie. Merci à vous.